Bonjour YouTube. Aujourd'hui, c'est la fin de Nightwitch. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, je crois. Ah ouais, on est à 68% en 7 heures. Bon, c'est honnête. C'est honnête. La cartouche d'insuline, ça devrait coûter genre 5 balles et ils le vendent à prix d'or. Non, mais c'est terrible en vrai. Là, je regardais la vidéo hier. Je sais plus de quoi c'était. Mais le gars parlait d'un type qui, dans les années 70 ou 80, genre c'était un collectionneur d'art. Bon, après, collectionner l'art, bref, vous savez ce que j'en pense. Mais bref, le mec était un collectionneur d'art dans les années 70-80 et il collectionnait les objets des films, les costumes, les trucs comme ça, etc., qui valaient beaucoup d'argent. Et le Kemé, il a chopé le sida, enfin le VIH, et ça a été une des premières victimes connues du VIH. Et en fait, il a dû vendre toutes ses collections, etc., pour se payer, en fait, juste un traitement pour rester en vie, tu vois. Il a dû vendre tout ce qu'il avait, et il a fini sa vie SDF ou je sais pas trop quoi. En mode, même un riche n'est pas à l'abri dans le système de santé américain, quoi. C'est fou. Je dois aller où, là? Mission accomplie, faites votre rapport au château. Ah oui, on a tué Robin. Et on lui a aspiré le huc. C'est vrai, ça. On a tué Robin. Enfin, on l'a tué. Je sais pas si on l'a tué, mais en tout cas, elle est morte. Bah, non. En vrai, on sait pas si elle est morte. On sait pas si elle est morte. Même si tu fais pas ça pour le fric, au bout d'un moment, faut bien vivre. Ah non, mais totalement, c'est comme si demain, tu développes une application qui a pour but de sauver les enfants malades. T'as beau faire ça pour les enfants malades, s'il y a Facebook qui se ramène pour te dire, voilà, bah nous, votre application, on aimerait bien l'intégrer à Facebook, on vous propose 10 millions. T'adores les enfants malades, hein. Mais qui refuserait, en fait? Enfin, genre, personne. Personne ne refuse ça, en fait. Alors, y a, dans l'histoire, oui, il y a eu des gens qui ont refusé ce genre de deal, mais la plupart du temps, en vrai, enfin... Moi, je jette pas du tout l'opprobre à quelqu'un qui refuse, enfin, qui accepte ce genre de deal. Enfin, c'est impossible. C'est impossible de refuser ça. Moi, demain, on me propose 1 million pour acheter ma chaîne Twitch. Eh bien, non! Je refuse! Je refuse car je suis... On ne peut pas me malverser, moi. Je suis un malversable. J'ai pas envie de crever, là. T'as les ongles bien longs, mon petit chat, là. Va falloir faire quelque chose, hein. Je sais que t'aimes pas ça, mais... Moi, je vais te couper les ongles, là, hein. Il pose sa patte sur moi, ça me pique. Salut Julien, GG pour le dead god, merci beaucoup. C'est vrai que t'as le fission. J'ai prévenu hier que je commençais tôt, hein. J'ai dit hier que je commençais à 11h. Bon, du coup, je suis arrivé à 11h30, mais... Mais j'ai pas de dégâts, en fait, c'est cringe. Oh, attendez, on va y aller en rush. Arrête! Arrêtez, s'il vous plaît. Non, non, non. Ok. Qu'est-ce qui est si drôle, rectal fission? Pas compris. Pas compris. La vanne m'est passée au-dessus, là. Bijour. Ah oui. Bijour. Mais je suis passé au mauvais côté, là. Terrible. Du mauvais côté. Est-ce que si on te propose 1 million pour arrêter de malverser en bravade, t'arrêtes? De malverser? Ou les bravades? Mytho, quoi, vous croyez que mon éthique, elle est à acheter? Non, mais en vrai, moi, dans la démarche de mettre les gens à l'abri autour de moi, j'avoue que je suis preneur, quoi. Dans règle, nous attendions. Je t'en prie, viens avec moi dans la salle de gouvernance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Robin? Et comment t'as fait pour nous écouter? Parlons-en dans la salle de conférence. Chez moi. Je lâchais de tous ces secrets, de toutes ces intrigues. Ok, très bien, je te suis, ça m'est égal. Quoi? Mais il y a 2 secondes, t'en avais assez. Quoi? Ah, parce que là, attendez,
Que je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Pour les deux du fond qui suivaient pas, on a retrouvé Robin, on a vaincu Robin, elle a eu des propos intolérables qui n'étaient pas du tout en adéquation avec son statut, et eux ils l'ont enregistré et ils ont diffusé ces propos intolérables pas du tout en adéquation avec son statut dans toute la ville, et du coup tous les gens ils ont boycotté Robin, et du coup Robin n'a plus de pouvoir, et moi j'ai récupéré tout le pouvoir. Incroyable. Alors attendez, parce que là il y a un chat, il malverse. Allez, sors de là toi. Oust le chat, oust. Robin qui avait des tweets inavouables, Robin qui avait tout un tas de bêtises. Du coup, si quelqu'un a un million qui traîne, n'hésitez pas à le donner à Coffee Fate. Mais après un million juste pour que j'arrête de malverser, c'est un peu cher quoi. Salut Nettle. J'ai vérifié dans mes poches et mon tiroir à pisse. Si t'as mis tes économies dans ton tiroir à pisse, c'est triste. Hein. Salut Rain. Où est le vénérable? J'ai à lui parler moi aussi. Je suis désolé Rain, mais je crois qu'il ne soit pas disponible là. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'autre à faire? Il m'a demandé de te présenter ses excuses. Pour son absence. Robin se conduit bizarrement depuis que l'invasion a commencé. Du coup, quand elle a attaqué, nous avons élaboré un plan pour la désarmer sans lui faire de mal. Pardonne-moi Rain. Je voulais en parler, mais Ven a dit que le projet était super confidentiel. Je n'aime pas du tout ça. Je veux lui parler. Et tu lui parleras, Ren. Mais avant, nous avons une mission urgente pour toi. La dernière. Encore une? Je ne pense pas savoir comment réparer la chambre froide. Oh là là, mais pas question de ça. Nous avons localisé Graf et Calypso. Tu dois les retrouver et les mettre hors d'état de nuire. Et par les mettre hors d'état de nuire, tu veux dire... Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je refuse. Vous avez dit qu'elle ravirait comme ça? Ren, je sais que ça va à l'encontre de ta nature. Mais souviens-toi de ton serment de Nightwitch. Je serai votre bouclier, là pour vous protéger avant toute chose. Je serai votre épée, là pour détruire les dangers qui vous menacent. Les Nightwitches ne sont pas juste là pour nous défendre. Elles doivent aussi passer à l'offensive afin de prévenir les dangers futurs. Blablabla. On ne peut pas se permettre d'attendre patiemment qu'ils se remettent sur pied. S'ils attaquent encore, ils pourraient s'en prendre aux civils. Calypso est obnubilé par son héritage. Graf est un fanatique. Ils ne s'arrêteront jamais. Et puis, n'oublie pas que nous avons essayé de te tuer. Allons, tu es la seule Nightwitch à présent. Personne d'autre ne peut le faire. Ils ont failli tuer Akai deux fois. Assez. Dites-moi où ils sont. Oh, ça va te plaire. Ils ont quitté Danzonidas. Ils sont désormais à la surface. Alors quel est l'intérêt de cette mission? Je ne peux pas partir à leur poursuite, je finirai carbonisé en un instant. Que nenni, tu ne craindras rien si tu portes ceci. Ce bouclier est alimenté par la technologie des éclats, il protège l'utilisateur des radiations du ciel brisé. C'est une invention que j'ai créée spécialement pour toi. Grâce à elle, tu pourras parcourir la surface en toute sécurité. Comment peuvent-ils se cacher à la surface, eux, s'ils n'ont pas de bouclier comme celui-ci? Eh bien, leurs golems ont des éclats dans leur corps, donc techniquement, ils ont inventé cette technologie. Ils doivent posséder un bouclier quelconque, ou un véhicule, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est d'autre, je sais pas. Ok, dans ce cas, j'y vais. Non, je dois bien te préparer avant de partir, car on ne sait pas ce qui t'attend là-bas. Ok, on approche du dernier acte du jeu. Mais moi, en fait, je refuse, hein. Je refuse de faire ça. Hein. Je refuse de tuer quiconque. Hein. Bah, surtout pas eux, que moi, je considère que c'est pas des méchants, en fait. Salut Ren, j'ai été embossé ici au château en tant qu'ingénieur royal, et c'est grâce à toi. Le vénérable a été impressionné par ce que tu lui as dit à mon sujet, après notre mission au Ziga-Arbre. C'est génial Lalachi, super nouvelle, je suis sûr que ton aide nous sera très précieuse. Tu peux compter sur moi, avec ta force et mon zénith, Danzonidas deviendra bientôt la plus grande nation de toute l'histoire. C'est tout un tas d'idées qui nous permettraient de nous servir des éclats que tu ramasses. Par exemple, est-ce que tu savais qu'il était possible d'infuser les relais arcaniques avec ces éclats pour décupler leur pouvoir? Essaie un peu, tu verras. Attends quoi? Utiliser des éclats pour infuser les relais arcaniques et ainsi décupler leur pouvoir? Les relais infusés vous confèrent de l'armure quand vous vous y reposez. Broken. Par contre, cette fois-ci, on n'a pas pu parler aux médias. Aux merdias? J'ai pas pu parler aux merdias? J'ai pas de sous.
Parle au soldat que tu as sauvé au début du jeu aussi avant de partir. Lequel? Lui là. Lui là. Elle nous a trahis. Elle nous a trahis. Tous. Je ne pensais pas qu'une telle chose était possible. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. On offre notre force à quelqu'un et ce quelqu'un se sert de nous. Eh bien, si le Link marche dans les deux sens, j'espère que nos sentiments lui parviennent en ce moment même. J'espère qu'elle peut sentir le désespoir qui hante notre cœur à tous, tous en même temps. C'est un sentiment qui serait digne du crime. Oui, oui, oui. Ah, il a rien à dire de spécial et je pense que la meuf à côté, pareil. Ah oui, les deux gardes là. Oui, oui, je me rappelle. C'est vrai que je leur ai pas parlé. Ils sont là. Hé, hey, t'es une Nightwitch maintenant. C'est génial, on a besoin d'aide. À l'origine, notre escouade comptait 3 membres. Mais un nous pistolet a disparu. Gaki, sois raisonnable, elle en a déjà fait assez comme ça. Mais c'est un bon soldat, il est sûrement tout seul et terrifié. Est-ce que tu pourrais aller voir s'il va bien? Bien sûr, on peut toujours compter sur une Nightwitch. Formidable, on a été séparés pas trop loin de là et tu nous as vu la première fois au hall des géants. Si tu le vois, est-ce que tu pourrais nous le ramener? Comptez sur moi. Voici son médaillon, s'il est désorienté et ne te fait pas confiance de prime abord, donne-le lui et ça lui prouvera que tu es avec nous. Des gardes m'ont demandé de trouver leur partenaire disparu, il est censé être quelque part près de chez moi. T'as réussi à accrocher le tableau. Oui, j'ai foutu du coup du Nick Lunivis là. Attends, ils ont dit qu'il était où? J'ai pas écouté. J'ai lu mais sans écouter. Ils ont dit qu'il était où? Fais vite, impossible. Attends, dans ton cul. Tu veux 24 heures? Hall des géants. Salut Borossac. Salut Erdawin, près de chez toi. Près de chez WAM. Du coup c'est par là-bas. Oh, mais attendez, on y était là. Attendez, on va aller au giga arbre pour 100% un peu la nezo là. Vu qu'on a, on a tous les bonus. J'ai vraiment envie de 100% le jeu. Je veux tout faire, je veux tous les secrets, je veux tout. Salut Ekial. Je veux tous les secrets. Ok, là c'est déjà secret. Le secret a déjà été vaincu ici. Moi je suis là, à droite. Déjà un premier secret ici. Ah bah là. Ah oui, il me faut une mèche. Rocky, mèche de bombe. J'en ai pas. Envie de péter un queutru là. Envie de péter un truc. Faut que je pète un plomb. Ren, tu es une Nightwitch? Oh, qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Parlons que j'étais enfermé ici. Oh, j'ai tout plein de trucs à découvrir maintenant. Est-ce que tu peux m'envoyer au château? Faut vraiment que j'interroge tout le monde pour connaître les derniers ragots. Bien sûr, j'étais sur le point de le faire. Je ne peux pas te téléporter sans être relié à ton Link par contre. Avec plaisir, merci Ren, vraiment. Ah, mais c'est vraiment un entresuçage assez terrible hein, cette histoire de Link. Parce que si personne me suce, bah j'ai pas de Link. Et si les gens me sucent pas, bah je les sauve pas quoi. Tu pourras finir le jeu sans spoil. Vas-y, ça marche. Améliorer le relais, ça coûte 500 balles. Ah quand même. Quand même. Ok, donc haut, droite. Arrêtez. Je suis là juste pour 100% la zone. Je veux juste 100% la zone, laissez-moi tranquille. Quoi? Ah non, ok. On dirait des streamers. C'est vrai que sans vous, je suis rien. Réel. Là, il y a un secret du coup. Oui. Ici, il y a un secret. Un secret bien gardé. Non mais voilà, non mais typiquement ce genre de salle là. Ah si, t'es vraiment un chic type. Ah non mais moi j'essaie de faire en sorte de vous mettre bien quoi. Par là, pas du tout. Par là peut-être. Alors que vous sans, bah, vous sans moi vous allez très bien quoi. Mais qui... Je comprends pas. Vraiment je j'ai pas accès à l'information quoi. Tu veux un tips? Ah non, tu vas me troller, hein, donc je réponds pas. Tu vas me troller, je le sais. Putain, hein. Il
Y'a un queutru, mais genre, comment on fait, quoi? Quel est le secret? C'est avec ça, là? Non? Peut-être que je peux t'ép... Ah oui, ça doit être un truc comme ça, je pense. Je suis si prévisible. Bah, surtout que je sais que tu joues pas au jeu, quoi. Le jeu est sorti hier, il... Vous devez pas être très très nombreux à avoir mis plus de 7 heures dans le jeu, donc... Je suis millionnaire, dites-nous aux informations. Merci Tilith pour ton 10e mois. Merci beaucoup Tilith. Merci pour ton soutien inconditionnel et inconsidéré et surtout extrêmement désintéressé, j'imagine. Bah écoutez, moi je sais pas. Hein. Probablement qu'il y a un truc à faire avec ces deux queutrues là, non? Je ne sais pas, je... Bon, ok, tant pis. Nick. Nick. Faut pas rester immobile à un endroit. Ah ouais? Et pour faire quoi? Pourquoi je devrais rester immobile à un endroit? Non mais là, tu me trolles pareil, là. Je sais pas. Au droite. Non, au droite après. Allez hop, 24 heures. Faut faire une combinaison de touches. Il y a des inputs à rentrer. Et ici, du coup, il y a un secret aussi. Non, mais ils sont hyper chauds à trouver, les secrets, c'est fou, hein. Ah oui, j'ai plus de dégâts maintenant pour les mobs contre lesquels on est déjà allé. Ah, c'est gratifiant. Donc là, typiquement, on est dans une salle où il y a un secret. Et il est tout aussi clair que le secret d'avant. Non mais c'est une dinguerie. C'est ouf en vrai. Mais c'est pas possible que ce soit si compliqué. Et peut-être par là. Par là peut-être. Par là, non. Non mais attendez, le jeu il est pas sympa là. Hey, t'es pas sympa le jeu là. C'est cool de voir un perso qui vole comme ça, tu perds pas la main avec The Lost. En vrai, mon streaking, il est parti pour durer là. Hein. Il y a juste Mother. J'ai rêvé de ça d'ailleurs. J'ai rêvé que j'étais en streak contre Mother. Et que j'avais le poivre hein, qui fait les flammes bleues contre Mother et du coup je la ratio. Du coup je l'avais complètement ratio. Attends mais je comprends pas. Hein. Non mais soyez sympa. Hein, par là peut-être. En fait il y a aussi le fait que... Par là. Non mais là il y a un truc là. Hein. Prémonitoire 100%. Ça se trouve, hein. Mais c'est une dinguerie, genre je trouve rien en fait. J'ai proposé de l'aide et on me rejette. Tu m'as pas proposé d'aide, hein. Tu t'essaies de me troller. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Oh, la petite triche. La petite triche. Ça compte comme de l'aide. Bon, je suis pas trop d'accord avec ça quand même. Je ne suis pas. Je suis pas hyper d'accord. Bah, je pense que. Enfin, vraiment, on s'emmerde. Hein. Non, mais c'est un truc de ouf. On s'emmerde de malade là. Enfin, genre. C'est fou quoi. Bah, bravo! Pas l'intention qui compte, ça dépend pourquoi en vrai. Hein. Je pense que ça dépend pourquoi, sinon ce serait trop facile. Hein. S'il suffisait juste d'avoir de l'intention. Ah ouais? Bah du coup, hein, je bourre.
Ok. Ah, il y a peut-être un timer. Par là, là? Parce que là, on est d'accord. Ah non, il n'y a pas de bonus ici. Non, mais c'est trop. Non, mais... Moi, je m'en vais. Je m'en vais, je go pleurer, là. Je connais un des secrets. Oh, vas-y, envoie, envoie. Oh non, mais t'es en train de me troller! Vas-y, envoie. Je suis prêt à me faire troll. Adieu le 100%. Mais non, mais c'est... En vrai, vous trouvez pas ça bizarre, vous? Va voir le petit chien, maintenant. On va voir le petit chien. Moi, je comprends pas. Genre, je peux pas me TP? Non. C'est quand même bizarre, ça. Hein. Là, c'est le genre de moment dans les jeux où j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. La flemme de crever. Genre là, on est venu dans cette zone pour essayer de 100% en trouvant les bonus et les défis, on n'a rien trouvé. Non mais c'est quand même ouf. Non mais c'est une dinguerie. Moi je refuse. Je refuse de partir les bras ballants là, comme ça là. Mais c'est la mèche en fait. Oui, il faut la mèche pour ça. Ces pistolets là. Ah, c'est lui le troisième collègue. Oh. Salut Mafu. Dirine. Chocolat, tu vas prendre ton 24 heures là. Le 24 heures, il te pend au nez là. Tu malverses beaucoup trop. Le chocolat, c'est censé faire du bien. C'est pas censé malverser quoi. Moi je suis pour le 24 heures. Bon par contre, bonne nouvelle, si on a le chien et que c'est... Bah c'est le dernier secret qu'on a dans cette zone. C'est cool les dégâts qu'on a. Hein. On fait tellement mal. Hein. Ah bah c'était pas là, super. Arrêtez! À quoi? Je vais faire des images de toi avec Dali. En vrai par contre j'ai vu... J'ai vu genre Nathalie sur Twitter là. Genre elle a fait des images trop stylées d'elle sur Dali là. Moi je veux faire ça moi avec moi-même. Moi j'ai envie de faire ça. Non mais là typiquement... Là il y a un secret là. Je... Elles sont ouf les images en question. Moi, je veux, moi aussi je veux faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça moi? Et pourquoi? Et pourquoi moi je peux pas m'amuser aussi là comme les autres? Pourquoi j'ai pas le droit? C'est le Kowab. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer mais je reste fort parce que je suis mal alpha quoi. Salut Karabaf. Mais enfin, tu sais bien que tu es tombé dans la marmite.
Ça va super et toi? Bah écoute, ça va super. Ça joue au peut-être Gotti 1D de l'année là, donc comment ne pas être heureux en fait? Comment ne pas être juste heureux? Mais là c'est bien parce que ça fait quoi hein? Ça fait 30 minutes qu'on joue et on a absolument rien fait. Donc là, on va là, on est content. Là il y a marqué qu'il y a un secret et en fait on peut rien faire. J'ai envie de... Je vais péter un plomb. Je pète un plomb là. Tel que vous me voyez, je suis à mon maximum de pétage de câble. Je suis désolé, je pense que je vous choque un peu, mais... Là, je pète un plomb. Salut Féfé, bon anniversaire de la chaîne. Putain, c'est vrai! C'est les 3 ans de la chaîne! Faut qu'on fasse un ramathon. Faut qu'on fasse un ramathon, on le fait quand? Ah, il faut faire un ramathon. Non, mais c'est la trad. C'est la tradition. Je suis obligé de faire un ramathon pour les 3 ans de la chaîne. On le fait maintenant. Non, on le fait demain. Oh ouais, grave. Vas-y, bah demain, j'annonce. Demain, 1er décembre, ramathon 3 ans de la chaîne. Maintenant, donnez-moi des idées. Trois ans, trois jeux. C'est 100% original, ça. Fury. En vrai, il faudrait que je fasse un des jeux avec lequel j'ai commencé le streaming. Hein. 0% tout dead god demain en ramathon. La bonne idée, quoi. Mon anif de sub qui tombe le jour de l'anif de la chaîne, je suis l'élu. Tu es totalement l'élu, oui. Où est le caniche? Il est par là le caniche? Pas du tout. Le petit Ganos. 3 ans, 3 heures de Ring Fit Aventure. À l'aide. Non, en vrai, il nous faut un programme de fou. Les 3 ans de la chaîne. Il faut que je fasse tous les trucs qu'on aime bien ici, quoi. Qu'est-ce que vous aimez bien sur ma chaîne? Merci pour les jolis anniversaires, en tout cas. On aime bien le best-of de la pause. 3 ans, live 24 heures de best-of. Les fantômes, 3 heures de clip. Tous les clips de la chaîne. À la suite. Il est là le chien! Ah, tu dois être Pistola? Alors Pistola, qui c'est qui monte bien la garde? C'est toi, moi, mais oui. Tu veux venir avec Wham? Waf, 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 waf. Quoi? Oh le salaud. J'adorais le stream jeu d'horreur. Ouais, mais maintenant, en fait, je vis tout seul dans mon appartement et faire un jeu d'horreur, ça voudrait dire qu'après, il faut que j'affronte la réalité tout seul. Et ça, ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible, ça. Ça veut dire qu'après, moi, j'éteins le stream et je suis tout seul, quoi. Donc si je me brosse les dents et que je me remonte et qu'il y a quelqu'un dans le miroir, je suis tout seul. Si je prends ma douche, je me lave le visage, je ferme les yeux et je rouvre les yeux, il y a quelqu'un dans la douche avec moi, je suis tout seul. Enfin du coup, je suis plus tout seul. Mais je suis pas avec une personne avec laquelle j'ai envie d'être, quoi. En plus, je dors avec des boules caisses, donc allez. Bravo! Stream douche! Ah, ça vous ferait plaisir. Merci beaucoup, Justin X, pour ton raid. J'espère que tu vas bien, que ton live s'est bien passé. Et gros bisous, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon live. Bah, t'éteins jamais le stream. Et on passe en just sleeping. 3 heures de doublage de yinge de grâce. Ramathon level 200, tous les métiers New World, 100% original. Et comme ça, tout le monde s'en va. Merde. Allons, ne recommence pas tes caprices. Sois gentil, tu veux?
Ça, c'est un bon toutou. Allez, hop, on y va, yip yip. Attends, je l'ai mis dans mon sac. Salut, MacBlob. Y'a pote au feu, c'est ok. Non, mais en vrai, demain vrai ramaton. Hein. Genre, c'est réel. Hein. Attends, mais y a encore le truc. Salut, Zero Day. Y'a encore le truc comme s'il y avait un bonus ici, quoi. Mon astuce après un jeu d'horreur, c'est que je me tape des émissions politiques sur la corruption, les malversations de l'Europe, et après c'est ok de tiers. Ah ouais, ramaton. Ramaton, 3 ans de la chaîne. Pourquoi j'y ai pas pensé? Normalement, je suis hyper fort en marketing. Le retour de la Villa Pamplemousse avec l'intégration de Dark Sasuke, la Villa Pamplemousse. J'avoue, hein, les 3 ans de la chaîne, live spécial Villa Pamplemousse. Salut Loutantos. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Villa Pamplemousse, en fait, c'est un concept que je faisais avant. Genre, en gros... J'avais créé une villa dans les Sims 4 et ensuite j'avais tiré au sort des viewers et des viewers et je les avais fait dans les Sims comme je les imagine quoi, donc full malversation et après je les avais mis dans la villa, j'avais mis le libre arbitre des Sims au maximum et je laissais les Sims vivre et en fait on commentait la télé-réalité en direct, c'était la Villa Pamplemousse. Ça a l'air con comme ça, mais il se passait des choses incroyables et surréalistes. Et c'était très très drôle. Ça a l'air merveilleux, ça l'était. Ça l'était de ouf. Et sur la chaîne YouTube, point d'exclamation YouTube, je faisais des récaps avec voix off et des images de l'épisode d'avant. Pour pouvoir suivre l'aventure qu'il y avait quoi. Et je vous invite à aller voir les récaps dans l'ordre. Potentiellement vous allez beaucoup rigoler. Je veux vivre ça. Peut-être qu'on refera ouais. Ça sonne incroyable, incroyable, je veux, ça a l'air merveilleux. En vrai, pourquoi pas, hein. Mais à setup d'ici demain, je sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, demain, ouais, il faut que je fasse un ramaton. Faut que je fasse un ramaton, quoi. Faut que je vois, parce que je suis censé aller faire de l'escalade avec Diabalzan. Donc faut voir à quelle heure on va à l'escalade avec Diabalzan. Et je fais le ramaton après. Comme ça, en plus, je serai tout congestionné du sport. J'aurai l'impression d'être un go muscule, hein. Hop, hop, hop. Ah ouais, je suis tout excité à l'idée de faire un ramaton. Faut que je fasse un visuel et tout. Oh là là, le travail. Le boulot. Tu vas faire du bloc. Ouais, je suis un déglingo, moi. Je vais débloquer, là. Faire du queblo, là. Après, en escalade, je suis fort aussi sur les vraies voies, mais... Mais là où on va, il n'y a que du bloc. Après, moi, je suis jamais allé encore, mais... C'est mieux ce que je connais, a fait une maison de torture. Regardez comment et qui survivait. Un peu plus glauque, mais rigolo à suivre. Un peu moins mainstream et stream-friendly, quoi. Trop bien, le bloc. C'est trop bien, le bloc. Champ forgé. C'est ici. Et du coup, faut monter. Allez, let's go. Ah, mais attendez, faut que j'aille voir ma récompense, non? On a fait un épisode sur la Villa Pamplemousse des perdants? Non. Mais il y a plein de choses qu'on devait faire en fait. En fait, la Villa Pamplemousse, à un moment, on a arrêté. Parce que j'avais plus d'inspi. Y'a que du Roblox. Et puis, c'est trop bien le bloc. En fait, l'intérêt principal du bloc, je trouve, c'est que t'as pas besoin d'être assuré par quelqu'un. Et du coup, tu peux juste faire à ton rythme et malverser comme tu veux. Ce qui est chiant avec les voix en salle et en voix extérieure aussi, c'est que t'es obligé d'être avec quelqu'un. Gentil pistolet à son papa. Pistolet, tu l'as retrouvé. Merci infiniment. Oui, merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais bien sûr, tu as déjà connecté notre link et l'effet ne se déclenche qu'une seule fois. J'ai une idée. Pistolet, dis merci à la Nightwitch. Après tout, elle t'a sauvé.
Bon toutou. Il m'a pas donné beaucoup quand même. Hein. Oh, je suis tout excité. Attendez, je demande à quelle heure on fait l'escalade demain. À quelle heure on fait l'escalade demain? Peut-être reparler à tous les autres. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, mais là, j'avoue, j'ai bien envie d'aller voir la fin, là. En plus, c'est parfait, parce que si je fais un live 24 heures, parce que du coup, ça peut être un live 24 heures, hein. Si on fait un live 24 heures, qu'on commence par exemple à 18h demain et qu'on finit vendredi à 18h, le samedi je stream pas de la journée et je reviens à 21h pour la bravade et du coup j'ai eu le temps de me reposer quoi. Oh. Salut Papy Gâteau. C'est les 3 ans de ma chaîne aujourd'hui Papy Gâteau. N'est-ce pas formidable? La petite opti. Bah en vrai, le meilleur moment pour faire un ramathon du coup c'est vraiment demain jeudi quoi. Je vais encore annoncer un live 24h qui durera 16h. On peut faire un poll pour savoir à quelle heure on fait l'escalade. Mais c'est pas vous qui faites! Merci Zéro D. Comme le ramathon Dead God de 4 heures. Bah après le ramathon Dead God de 4 heures, moi j'avais pas prévu qu'il dure que 4 heures. Rebonjour Reine. Irine, je... S'il te plaît, laisse-moi parler. C'est vraiment difficile pour moi. Lors de notre dernière rencontre, j'ai été méchante. J'en suis désolé. J'ai fait confiance à Robin de tout mon cœur. Pour moi, elle était absolument parfaite. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait du mal à d'autres personnes juste pour avoir plus de Link et devenir plus forte. Saleté de Link. Ce n'est pas aussi génial que les gens pensent. C'est une malédiction. Je déteste ce qu'il nous a fait. Les gens nous envoient leur force, mais aussi leur peur. Leur vie devient plus facile et les nôtres plus dures. Ça devient vite insupportable. Je crois bien que je n'en veux plus. Mais je sens que je peux te faire confiance. Je ne pense pas que tu veuilles utiliser le Link pour toi-même, contrairement à Robin. Je dois te demander, veux-tu bien porter mon fardeau? Je vois exactement ce que tu veux dire, Irine. Je sens déjà ce poids. C'est dur. Tu l'as porté pendant trop longtemps. C'est moi qui m'en occuperai à présent. Merci. Attends, elle m'a donné beaucoup de jus là. Hein. Et encore une fois, désolé. C'est tout! Pourquoi? Le Link, il fait mal quand on l'a, mais c'est pire quand on le perd. Dès qu'on commence à perdre des connexions, on a l'impression de vivre un millier de ruptures. De perdre tout ce qui compte. C'est ce qui a rendu Robin folle, je crois. Bref, je t'en prie. Prends bien soin de lui. Oh, c'est terrible! Hein. Qui ça, lui? Bah, le Link, non? Je peux pas! Je peux pas! Surcharge de mana. Appuyez sur LT pour invoquer le chaton magique. Waouh! Salutations, règne! Je m'appelle Chaton Magique. Tu es ma propriétaire à présent. Je ne suis pas aussi puissant qu'autrefois, mais je te servirai avec obéissance, au mieux de mes capacités. D'accord? Et c'est même pas la chose la plus bizarre qui m'est arrivée aujourd'hui. Bienvenue dans l'équipe! Appuyez sur LT pour invoquer le chaton magique. Quand le minou magique est sur le champ de bataille, les sorts se focalisent sur lui au lieu de règne. T'as trop bien. Oh, le petit chaton, quoi. Officiellement, le GOTY. Ça y est, c'est le GOTY, là. Et donc là, on arrive à la surface. Robin, c'est la méchante. Bah, elle a mal versé, ouais. C'est pas la méchante. C'est pas la méchante méchante, quoi. Mais c'est la malversatrice. Ok, y'a rien par là. Ça est tout à gauche. Par contre, la moindre insulte sur le petit chat, moi je vous malverse. Hein. Ok.
Bizarre. Toutou, un petit chat, le jeu est parfait. En plus, le jeu est tellement beau. Hein, mais c'est fait exprès pour qu'on s'imprègne de l'ambiance. En mode, ah oui, tout est désolé. Pardon. Pardon, la commu. Ah, mais c'est bon, j'ai compris que c'était la Hesse. Maintenant, est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo, quoi? Ah, il y avait l'électricité. Ah oui, c'était une société avancée. Je sais pas comment on appelle ça, le genre qui mêle fantasy et technologie. J'adore. Ouais, c'est pas le... Comment on appelle ça déjà? Un peu ambiance Bioshock 3 là, Infinite. Steampunk, voilà, exactement. J'adore le style steampunk. J'aime trop. Je sais qu'il y avait le mot punk dedans, mais... En fait, les punks, ils ont tout inventé, c'est ça? Ils nous ont tout volé. J'aime bien le relais vu qu'on est dans la dernière zone. En vrai, je pense que c'est worse d'améliorer les relais ici. Je peux pas aller là. Oh, attendez, le jeu est infini en fait. Oh! Regardez! Ouais? Ah ouais? Attends, mais c'est un casse-tête là? Connais-tu l'esthétique diesel punk? Non, mais moi j'adore l'art déco par contre. Ah, s'il me suit? Ok. Il va où là? Viens là. Ah ah. C'est pas un ennemi lui en fait. Ok. Les nouvelles de la carte graphique. J'ai réussi à réparer l'écran, donc tout va bien, pas besoin de racheter de carte graphique pour le moment. Ah, ça passe à travers. Et gros, il est où? Quoi cette histoire hein? Ah oui, d'accord, il fait quand même des dégâts lui hein. C'est pas, il est pas hyper friendly quoi. Je peux aller par là? Pas du tout. Ok. Il est où? Envie de le fumer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de comprendre un queutru. Quand je fais un sort alors qu'il y a le notre collègue le chat, le sort, il apparaît là où il y a le chat. Ah, c'est phare de café ça. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Ok. Il y a une clé là. Ouais. Oh, le petit chat qui miaule. Ouvre les portes de niveau 1 dans l'usine de golem de la maison d'Aigadaï. Ok, très bien. Très bien. Et du coup l'esthétique diesel punk, c'est Vin Diesel mais avec des cheveux. Vin Diesel avec une crête. Arrête! Non, c'est trop. C'est trop, mais c'est trop en fait. Genre. Arrêtez! Arrêtez! Hop là! Je suis bien là! Ah non. Ça préjuge. Mais non, mais je préjuge rien du tout. Vous me dites, ça s'appelle Diesel Punk. Marauders. Comme si t'avais les... Ah, c'est comme Wolfenstein, quoi. Wolfenstein, c'est Diesel Punk.
J'avais trop kiffé Wolfenstein. Bravo. Est-ce que j'irais pas me heal? Je pense que ça peut pas me faire de mal. Hein. Le dieselpunk se rapproche du steampunk, mais pas comme une technologie centrale à vapeur. Oui, c'est vrai que steampunk, c'est très vapeur, quoi. C'est vrai, ça. Cela est réel. Attends, c'est pas par là du tout. Il me faut la clé numéro 2. Voilà. Ok. C'est quoi ça? Ah. 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 Mais attends, mais... Ok, j'ai compris. Voilà. On a une bonne chose. Ok. Ok, nice. Bravo. Arrête! S'il te plaît! Ok, c'est pas sérieux là. Ouvre les portes de niveau 1 et 2. Ah, il y a le niveau 3 après? Ah ben. J'ai pas vu Marauders ce que c'était. Une puissante explosion centrée sur le lanceur. Elle endommage tout ce qui se trouve dans la zone d'effet, y compris le lanceur. Ah, ok. Bah super. Ça fait plaisir. J'ai menti, ça fait pas plaisir du tout. Oh, j'ai pas pris de dégâts. Bon, ça n'arrivera pas deux fois. Hein. Ça va? C'est bon? Ok. Là, attendez. C'est tout? C'est tout? Ça avait l'air hyper compliqué en fait, pas du tout. Ou alors j'ai un beaucoup trop gros cerveau, je pense. Requis mèche de bombe. J'ai pas de mèche là. Hein. Ok. Toujours pas de mèche. Là. Il y a du lore visuel. Oh, je vais prendre la clé et je vais me faire malverser. C'est sûr et certain. Trop bien cette compétence. Attends, c'était trop stylé. Mais j'ai même pas le temps de m'amuser. Ok. Attends, mais du coup je peux passer par là maintenant désormais. Est-ce que c'est bien? Ok, je vois où on est. Ah, attendez. Si je fais ça... Là je peux aller à gauche là. Hmm.
Non mais les boulasses qui traversent les murs là, c'est à l'aide tiers. Hein. Putain, cette nuit, je me suis déterre, genre en pleine nuit. Genre il était 2h du matin, je me suis dit tiens j'ai faim. Et genre je me suis fait un... Je me suis fait un champignon, oignon, crème moutarde à l'ancienne, riz. Bah c'était trop bon. C'était juste délicieux en fait. Par contre j'ai mis un peu trop de moutarde à l'ancienne et j'avoue qu'à chaque bouchée j'avais le nez qui coulait quoi. Peut-être. Vous avez pas de preuves ? J'ai mis trop de moutarde là. Petit plat à 14h du matin là. Oh ça fait plaisir, c'est les meilleurs. Alors que moi la nuit quand j'ai faim je mange mes knackis VG crus. Rappelez-moi de refuser toute invitation à manger des malversateurs du chat là. Ah je... que c'était un safe space, je sens un léger jugement. Non, pas du tout. Hein. Salut Philly. Merci pour ton 6e mois, merci beaucoup. Non, pas du tout, rien à voir. Hein. C'était l'anniversaire de Philly tout récemment, alors n'hésitez pas à dire joyeux anniversaire à Philly. C'est le 2e anniversaire d'aujourd'hui, vu qu'on fête aussi les 3 ans de la chaîne, mais souhaitez un anniversaire à stupide Philly par pitié. Bravo pour l'anniversaire. Petite knacki de la honte. C'est un peu la honte. Hein. Un peu la honte. On a la clé numéro 3 là. En tout cas, une chose qui ne ment pas, c'est la guilde qui dit que tu as déco il y a 10 heures. Tu veux te dire que tu avais faim après le vortex temporel ? Oui, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Oh merci. Ouah, une Nightwitch ici. Qui est venue jusqu'ici pour me sauver. Merci, c'est vraiment gentil. Mais en fait, je n'ai pas vraiment envie de partir, pour être honnête. Je me plais plutôt bien ici. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça me laisse le temps de réfléchir. Le travail ne fait pas tout, tu sais. J'étais tellement occupé à faire des muffins que je n'ai pas eu le temps de réfléchir à de nouvelles recettes de muffins. Maintenant... Je passe mes journées à penser aux muffins, au lieu d'en faire. C'est vraiment créatif. Hop, ça, dirais-moi. Je passe ma journée à penser ce qu'il faut que je fasse et en fait, je fais pas. Y'a pas de honte à avoir des petits knackis. Mais c'est pas une question de petits knackis ou grosses knackis, c'est une question que... Ça se mange pas cru, quoi. C'est pas beaucoup plus long de les passer vite fait à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Après, faut laver la poêle, OMG. C'est vrai. Putain, je pensais pas me déterre autant, mais du coup, j'ai plus de la vaisselle. Et ben, je fais la vaisselle à chaque fois après manger. Je suis trop fier de moi. Genre, je ne laisse jamais traîner la vaisselle. Je suis trop content. Je fais systématiquement la vaisselle. Je me sens trop efficace et à chaque fois après avoir fait la vaisselle, je suis en mode ah. Hyper satisfait là. Tu n'es pas humain. Peut-être. Peut-être c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir. Mais après, moi j'aime bien faire la vaisselle. Enfin, c'est pas un truc que je déteste. Et j'ai un tip si vous aimez pas faire la vaisselle. Alors vous allez vous moquer de moi, vous allez vous moquer de moi là, c'est sûr. Vous allez dire que je suis un enfant et tout, parce que évidemment... Bah je vais pas vous le dire, je peux pas vous dire ça, hein. Vous allez trop vous moquer de moi. Hein. Je vais pas vous dire comment je fais pour aimer la vaisselle.
Ah oui, d'accord. Quoi? Ok, très bien. Oh, petit juteux, là. Rayon de l'amour. Un rayon qui inflige des dégâts constants à un ennemi proche. Tant que le rayon n'est pas interrompu, il inflige de plus en plus de dégâts. Pas mal, ça. C'est en laissant traîner que ça snowball et que ça devient chiant à faire, du coup. C'est vrai. Moi, du coup, je le mange qu'une fois par semaine. Faut savoir que l'huile d'olive est pas folle par rapport à la cuisson. Elle est meilleure en sauce ou à froid. Beaucoup d'autres huiles sont meilleures pour les cuissons ou les fritures. Rien de tout ça. Yes. Attends, je vais le mettre là. Ça, il est emmerdé. Hop. En fait, c'est très simple. Déjà, la première chose... C'est d'avoir des gants en latex. Parce que comme ça, t'abîmes pas tes mains. T'abîmes pas tes ongles et tu peux mettre l'eau hyper chaude. Tu sentiras rien, tu vois. Déjà, ça, c'est le premier tips. Donc moi, j'ai mes petits gants. Moi, j'ai mes petits gants pour ma vaisselle, tu vois. Ensuite, deuxième tips. Tu fais un bain d'eau dans ton évier. Comme ça, tu gaspilles moins d'eau. Et en plus de ça, tu rajoutes avec ton liquide vaisselle, ça peut faire plein de mousse. Et du coup, ça, on en vient au troisième tips. J'ai une éponge en forme de petit bateau. Et du coup, vu qu'il y a plein d'eau avec de la mousse, bah moi, j'ai ma petite éponge en forme de bateau, quoi. Du coup, je fais plus la vaisselle. Je vais jouer dans mon évier, quoi. Voilà, ramaton vaisselle. Je viens faire la vaisselle chez vous. Oh, le bête de concept. Mais de ouf. En vrai, faut qu'on fasse ça. Genre, je viens faire la vaisselle chez vous. Vous me laissez plein de vaisselle et moi j'arrive chez vous et je vous la fais. J'en ai pris une en forme de chat. Donc je la noie quotidiennement. C'est pas mal ça aussi. Hein. Tu vas mettre ton éponge bateau. L'éponge bateau reste pendant le sexe. Oh, le bébé, moi, mon éponge, c'est une hache de guerre, je suis pas un bébé. J'avoue, ça se voit, t'es pas un bébé, toi. Je paye moult argent pour ça. Tu l'as eu ton éponge bateau, c'est pour un ami. C'est trop mal l'éponge bateau. Je mens, ça existe pas. Hein. J'ai jamais fait ça. Hein. J'aimerais bien avoir fait ça, mais en vrai, la vérité, c'est que j'aime la vaisselle premier degré. Par contre, pour les gants, c'est réel. Hein. Allez, salaud. Ok. Le grand bébé, il assume plus d'être un bébé. Ok. Quoi? Pourquoi ça marche plus, hein? Ah oui. Du boss de l'usine, très très bien. Du coup, tu sens moins la douce chaleur de l'eau. Ouais, mais enfin, moi quand je mets la température pour la vaisselle, c'est pas la douce chaleur de l'eau là. Hein. C'est un peu chaud quoi. Attends, je peux pas me barrer par là? Attends, mais c'est une vanne, je suis censé faire comment là? C'est
C'était pour rigoler, non? Attends, quoi? Ah, c'est par là! Ah, et du coup, t'es obligé d'utiliser la mèche ici. Ça, ça fait chier, ça. Ok. Gauche. Gauche bas, en fait. Oh, gauche bas. C'est ça le sebo ? Eh mais attends, mais... Ah oui, c'est le boss de fin là, 100% boss de fin là. Ah, c'est elle ! Vermine, comment tu nous as trouvés ? Tu es ici pour me tuer comme tu as tué mon père ! Mais nous attendions de pied ferme, prépare-toi à mourir ! Je peux essayer de te convaincre de te rendre sans recourir à la violence ? Oh le pipou ! Silence ! Tu as vraiment fait une bêtise en venant ici, maintenant je vais finir ce que j'ai commencé. Bon bah, je prends ça pour un non. Attends mais L'empereur de la maison d'Aigadaï. Attends, mais je dois me battre contre les deux là du coup? Attends, lui il est invincible et c'est contre elle que je dois me battre? C'est ça que ça veut dire? Ok. Oh! Ça va pas ou quoi? Non, je me suis trompé de touche! Je me suis trompé! Je vais vouloir la first try et puis en fait il va y avoir une P2 du cul là, ça va être l'enfer. Est-ce que je viens de ratio plus first try plus goumé le boss de fin du jeu là? Je crois que la réalité c'est oui. Merci pour tous les GG. Merci. Arrêtez. Créer l'armure qui dure indéfiniment aucun effet si le... Ok. Votre Altesse, restez derrière moi. Je ne laisserai rien vous arriver. J'ai peur, grave. Ça fait mal. Enfin, tu t'es décidé à arrêter d'essayer de me tuer pour changer? On peut parler maintenant? Oui. Oui, mais s'il te plaît. Épargne-nous. Je ne suis personne. Il n'y a plus de maison d'Aigadaï. Il n'y a pas de renfort ni d'autres colonies. J'ai scanné toute la planète. Je suis un imposteur. Seul grave croit en moi. Tous les deux. Nous ne sommes que deux bandes de bâtards. Attends une minute. Vous avez fait ça? Tout ça? Genre, par vous-même? Vous avez construit ce laboratoire? Produit tous ces golems? Vous avez inventé la technologie des éclats? Vous saviez comment manipuler la machine et la désactiver sans la casser? Un jeune noble et une épéiste? Alors, je suis pas né de la dernière pluie. Eh bien... Il y a quelqu'un d'autre. Un scientifique. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'Exense. Elle l'a utilisé pour créer cette installation, les golems, tout ça. Elle m'a transformé en ce truc. Elle a juré que je pourrais vaincre les Night Witches si je changeais mon corps avec de l'Exense. De l'Exense? Ce liquide maudit à l'intérieur de la machine? Oui, c'est ça. Nous avons fait des éclats avec. C'est la même chose. Tu dois nous croire. L'idée de m'emparer des Dungeon Leaders ne m'a même pas traversé l'esprit. Elle est venue me voir et... Mais oui, laisse-moi te raconter, c'est une super histoire. Donc, Calypso était dans ce fameux bar dans la forge, il y allait tout le temps.
D'où vient cette voix ? Allô ? Allô ? Le bouclier que je t'ai donné ! La lâchie ? Allez, ne fais pas comme si ce n'était pas évident maintenant. Bref, mon histoire. Donc, il est au bar, déblatérant sur son héritage à une bande d'infernaux comme ça que vendredi. Il n'a même pas l'intention de commencer une révolte, ce crétin ne saurait pas s'y prendre. Mais les habitants, eux, l'aiment tous. Certains le respectent même. Donc, ils arrivent derrière lui et se disent « Hey, Zatipa, c'est pas toi l'héritier légitime de la maison d'Aigazaï ?» Et il est genre « Oui, c'est moi, bonjour, vous entrez dans ma hutte. » Et alors là, Zazout, ça te dirait d'avoir une armée de golems ? Et tu sais ce qui m'a répondu, Vlatipa qui m'a dit « Mais pourquoi faire ?» Alors, pendant une minute, j'ai cru que j'allais devoir trouver un autre bonnet pour faire ce travail. Tu as dit que tu croyais en la bannière de la maison d'Aigadaï. Oh, c'est toi. Une personne aussi intelligente que moi ne croirait jamais à la royauté. Ça, c'est juste bon pour les moutons. J'avais besoin d'un peu d'agitation pour que le vénérable m'écoute. Et toi, Rain, eh bien, tu es hilarante, la parfaite marionnette pour mes plans. J'avais besoin de quelqu'un pour me faire entrer dans le château. Robin n'aurait jamais voulu, ça, j'en étais sûr. Mais cette aspirante Nightwish, dont personne ne se souvient, je savais qu'ils allaient te recruter tout de suite. Je savais que tu serais si peu sûr de toi que tu accepterais mon aide sans poser de questions. Je savais, n'avais plus qu'à attendre au Ziga Arbre, la zone importante, la plus importante, et d'ailleurs la moins surveillée de la Massine. La pas parfaite pour une débutante. Tu es vraiment intelligente, Alachi. Franchement, j'ai du mal à le croire. Donc tu es probablement assez intelligente pour savoir ce que je vais te faire quand je te retrouverai. T'es en colère contre moi. Dommage, j'allais continuer à parler de mes motivations, tout ça. C'est vraiment amusant de jouer aux méchants. Juste pour info, si tu avais tué ces deux-là comme tu étais censé le faire, tu serais revenu en héroïne. Je déteste faire ça parce qu'au fond, je t'aime bien, mais... Bonne chance pour revenir sans le bouclier. Quoi ? Après tout ça, maintenant je suis coincé avec vous deux ? Elle s'est jouée de moi. Je n'ai jamais eu la moindre chance. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille ? Votre Altesse, arrêtez de pleurer ! Rain, s'il te plaît, tu peux nous laisser seuls une minute ? Va à l'entrée de l'usine à l'étage supérieur. Je t'y retrouverai. Ok, ouais, je vais y aller parce que ça devient cringe. Vite, file. Ok. On doit faire quoi ? On doit aller à la... Ok. Cool. Moi, j'y vais, là. Ah, mais je peux pas y aller par là. Ok, donc c'est l'Alachi depuis le début. Il y avait quelqu'un qui avait pré-shot pour l'Alachi, il me semble. Salut, Claric. Salut, Monsieur Barberousse. Bonjour. Il y avait un secret. Non mais je les trouve pas les secrets, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y a un secret ? Je les trouve pas, de toute façon je les trouve pas le secret. Bon je veux bien chercher mais je trouve pas le secret. Il est où le secret là ? Tu vois le secret toi ? Moi je vois pas de secret. Constate aucun secret. Je comprends pas. Le jeu est fait pour devenir zinzin en fait. Et y a pas de secret et... Y a pas de secret en fait. C'est un mensonge, c'est un complot. Et voilà, à cause d'Erdawin. Non mais t'as raison, sur la map, marqué qu'il y a un secret, mais impossible de le trouver, quoi. Et le chat. Bah le chat, il est pas magicien non plus, quoi. Mais j'avoue, comment on va y aller sans... Ah oui, parce que eux, ils vont pouvoir me raconter comment y aller, vu que eux, ils ont réussi. Je peux pas croire ce que je vais dire, mais je crois que je t'ai mal jugé. T'es plus forte que nous. T'aurais pu nous tuer, moi et mon maître. Je croyais que les Nightwitches n'étaient que des armes de destruction, des marionnettes aux mains des manias, assoiffées de pouvoir. Mais toi, t'es bien plus que ça. Graf, ça ne te ressemble vraiment pas de dire ça, Laisse-moi finir. Ce que j'essaie de dire, c'est que je vais t'aider à retourner à Dungeon Nidas. J'ai fait confiance à la Lachi, je l'ai laissé me transformer en ça, et elle s'est jouée de nous. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça, et tu es la seule à pouvoir l'arrêter. Mais comment ? Dis-moi juste quand tu es prête. En avant, en avant. Cramponne-toi. Le mec change de bras amputé à chaque scène, j'avoue. En fonction de où il regarde, son bras, c'est pas le même qu'amputé. C'est marrant ça.
Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah si tu vas très très vite. Non mais il est en train de cramer lui. Il est en train de se sacrifier. Il va crever. Attends mais qu'est-ce qu'il nous fait? On en passe ça. On en passe ça. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne veux plus être une arme. Tu as désobéi aux ordres pour nous sauver la vie. J'ai fait la même chose. J'ai fait mon propre choix. Arrête la lâchie et... quand ce sera fini, s'il te plaît, reviens et sauve Calypso. Ne la laisse pas là-bas. Je le ferai, Graf. Je m'occuperai de tout. C'est fini pour moi. Je n'ai plus beaucoup de Link à donner. Mais j'aurais aimé que ce soit le cas. Merci, Rain. Dis à Akai que je suis désolé de ne pas être parti avec lui. Au revoir, Graf. Nous n'étions pas si différents, en fin de compte. Nous avons tous les deux laissé les autres nous utiliser comme des armes. Mais c'est fini maintenant. C'est bon, j'ai fait mon deuil de Graf. C'est bon, on peut continuer maintenant. C'est souvent comme ça dans les roguelikes. Bah là, mais c'est surtout qu'ils ils ont utilisé la symétrie horizontale, quoi. Je suis bouleversé un peu, ouais. Ça va encore parler? Oh non, pas elle. Je refuse d'accepter une telle chose. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je suis une traîtresse. Le monde entier me déteste, ça fait si mal. Gaïa. Gaïa, pourquoi as-tu cessé de me parler? Je croyais que si mon Link était assez puissant, je pourrais à nouveau te voir. Que vais-je faire à présent? Eh, tu ne serais pas la célèbre Robin? Salut. Dégage. Du calme, c'est pas comme si tu pouvais me tousser à cette distance. Rie autant que tu veux. Ça m'est égal. Je ne suis pas venu pour me moquer de toi, mais pour t'aider. Je t'ai dit de dégager. Écoute, on n'est pas si différentes que ça, toi et moi. Tu as dit par soif de pouvoir et moi par soif de connaissance. Et nous serions prêtes à tout pour l'étancer, cette soif, pas vrai? Tu ne comprends rien à rien. En ces instants même, Ren est la personne la plus adulée du monde entier. C'est de là que vient son immense pouvoir. Et toi, tu es la personne la plus haïe du monde entier. Tu vas te taire, oui. Le Link marche dans les deux sens. C'est ce que les gens disent. Et s'ils se disaient que tu pourrais gagner en puissance, en canalisant la haine au lieu de l'amour, tu reviendras aussi redoutable qu'avant. Et peut-être même plus encore. Et puis, la haine, c'est quand même plus facile à susciter que l'amour. Largement plus facile. Il suffit d'être super cruel. Assez. Le Link ne fonctionne pas comme ça. Tu te souviens de cet énorme épéiste? Grâce à l'excence, j'ai pu le rendre aussi fort que Nightwish. Je suis génial. Et quand je laisse libre cours à mon ennemi, les limites de la logique sont repoussées. Fais-moi confiance. Je t'en prie, laisse-moi essayer. Laisse-moi inverser ton Link. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus! C'est tout? Vous pouvez pas voir deux femmes discuter entre elles? Sans penser à de sombres vidéos qu'Internet aimerait oublier. Pas possible ça. Hein. Droite, droite. Attends, quoi? Droite, bas, droite. Ok. Non, droite. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Hein. Non, je vais y arriver. Oui, c'est ça, droite. Droite ici. Là, c'était la collègue. La collègue, on va la revoir, je pense. Hein. Et là, c'est là. Putain, l'alachi, quoi. Elle zozote, elle pouvait pas être méchante. Normalement, les zozoteurs, ils peuvent pas être méchants. Hein. C'est pas possible, ça. Hein. C'est impossible ça. Ok. Bah du coup elle va être au-dessus je pense. Mais il y a son père. Pourquoi il y a son père?
Ah eux, je leur avais pas parlé. Gmir. C'est presque fini, pas vrai? J'espère que nous pourrons quitter le château. Je n'aime pas vivre ici. Tout a l'air si artificiel. Je pense que je vais juste vivre seul quelques temps. Je vais me trouver un petit tunnel bien confortable où me planter. Peut-être même que je ferai un peu de mousse. Loin, très loin de cette société. Théorie du désossement est détruite. Non, je vais parler à mon homme. Tu es saine et sauve? Comme je suis soulagé. Est-ce que c'est enfin fini? Akai, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est Graf, il... il n'est plus parmi nous! Est-ce que tu... Non, non, non! Il est mort en me portant jusqu'au château. Il a brûlé sous le ciel brisé. Il m'a protégé de son corps. Il m'a sauvé. Il est mort en sauvant la vie du Nightwitch sur le champ de bataille où ils ont perdu la guerre. Il m'a aussi demandé de te dire qu'il était désolé. Il regrettait de ne pas avoir déserté avec toi ce jour-là. Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que c'est enfin fini? Est-ce que on peut rentrer à la maison? Pas encore. Je suis désolé, il me reste encore une chose à faire. Mais nous rentrerons bientôt, je te le promets. Mais je dois aller où en fait? Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Retourne au château et affronter l'Alashi. Ah bah... Ok, le trigger était juste là quoi. Hen! Salut. As-tu accompli ta mission? Où est l'Alashi? L'Alashi? Elle est allée dans les catacombes, dans le hall des géants, il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, elle m'a dit de te donner ça si jamais on se voyait. Clé donnant accès aux catacombes sous le hall des géants. Mais pourquoi elle me... Elle a ajouté qu'elle te rejoindrait là-bas, si vous voulez assister à une fin d'enfer. Bon, franchement, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle baragouille la moitié du temps. Blablabla. Ok. N, écoute-moi bien. L'Alashi est une traîtresse. C'est elle qui se cache derrière l'invasion. Je vais l'appréhender et la ramener ici. Méfie-toi de ce qu'elle aurait pu laisser dans les parages. Son génie n'a d'égal que sa folie. Voilà qui est inattendu. Tu es sûr de toi? Je suis sûr. Je dois y aller. Attends, le vénérable doit approuver toutes les missions de Nightwitch. Tu ne peux pas simplement t'assigner une cible. L'Alashi est une VIP. Elle travaille sur les premiers golems dungeoniens. Ils sont presque prêts. Je m'en fiche. Qu'on me vire. J'y vais. Rapporte-le au vénérable. Fais ce que tu as à faire. Collaborateur de merde. Même pas une petite interview. Non, plus d'interview là. C'est fini. Attends, est-ce que j'ai des sous? Oui. Oh, j'achète ça. En vrai, y a plus grand chose à acheter de toute façon. Il y avait une faction qui voulait tuer les Nightwitches. Ah oui, t'as pas compris, ouais. Ou alors ils deviennent encore plus méchants à cause des gens qui se moquent d'eux. D'ailleurs, il y a un sous-texte. Enfin, il est pas vraiment sous-texte parce qu'il est plutôt évident. Mais dans le dernier Pokémon, il y a toute une texte sur le harcèlement scolaire et tout. Je trouvais ça intéressant. Je trouve ça bien que les jeux comme ça, ils... Quoi, c'est woke? Ah ouais, donc Pokémon, c'est woke? Ils s'en prennent au harcèlement scolaire, hein, c'est hyper woke. Je trouve ça bien que les jeux qui est à destination du grand public aient des techs comme ça. En fait, les produits de consommation de masse devraient avoir des techs. En vrai, je pense que tout média d'influence a un rôle à jouer sur l'éducation des masses. Et typiquement, les techs de Pokémon Écarlate et Violet sur le harcèlement scolaire, etc., bah, c'est hyper bienvenu parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui y jouent. Beaucoup d'adolescents. Et du coup, c'est bien, quoi. Attends, parce que... C'est tout à gauche? C'est tout à gauche. Eux, c'est les pires, hein. Et soudain, Hanouna. Bah lui c'est l'inverse, lui. Lui, il transmet vraiment les valeurs les plus à chier possibles et imaginables. C'est fou, quand même, hein. Le mec arrive à transmettre aucune valeur intéressante. Quand même dommage. Hein. Quand même dommage d'avoir autant de poids et d'en avoir à ce point rien à foutre. Le super vilain de la transmission de valeur. Ouais. Salut Ayrton Cole.
Salut Valajar. Enfin, certaines prods se dérident le cul et parlent de certains sujets. Ah oui, en fait, enfin, genre, enfin ça arrive, quoi. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Chaque génération a son malversateur. C'était qui le précédent ? Ardisson ? Ardisson, il a pas fini de malverser, hein. Et pour moi, Ardisson, c'était pas forcément le pire. Parce que dans le marasme de ses techs de merde, il avait quand même des techs intéressantes. Qui de son âge, enfin de son époque, était quand même assez avant-gardiste. Le problème, c'est que Hanouna, lui, dans le torrent de ses techs de merde, il a aucune bonne tech, quoi. J'ai spam Nightwitch un peu, mais putain, la partie dans l'eau m'a fait tilter. Mais pourquoi ? Chiche m'a dit la même chose. Il m'a dit genre, la partie dans l'eau, cauchemar, horrible et tout. Salut Pascal, hein. C'est bien ici, ouais. Je n'aime pas du tout cet endroit. Mais là, la chiche se cache quelque part dans ces tunnels. Hein. Je dois la retrouver. Allez, Rain, tu peux y arriver. Allez ! Pas de dash, pas fun et les embuscades sont sacrément dures. C'est vrai que c'est difficile, mais en vrai, moi ça va, j'ai pas tilté. Il y a des moments où je suis un peu mort en boucle, mais sinon ça va. Merci Valor pour le follow, merci beaucoup. Je joue full mana sans dégâts de projo, j'ai trop galéré. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça. Après, t'as des cartes qui peuvent grave t'aider, hein. Attends, mais du coup, ça... Attends, mais du coup... C'est pas la première fois qu'on voit ce truc. Donc je pouvais les ouvrir, les autres aussi. Oh. Ah, ok. Je pourrais jamais l'emmener là-bas, c'est pas possible. What the fuck? Ouais, c'était à côté pour les attirer. Ouais, je sais. Mais le problème, c'est que tu les... Ok. Bon courage, Koab. Oh non! Oh non! Oui, d'accord. Donc soit je la tire et du coup elle s'active et elle attend de s'activer. Parfois t'es un peu obligé de prendre des dégâts, quoi. Ah, obligé, mais c'est plus simple, disons. Disons les choses comme elles sont, c'est beaucoup plus simple. On est où ? On est là. C'est là d'où l'on vient. Si je vais à droite, je peux aller par là. Ah d'accord. Donc là, c'est la fin du jeu et le jeu décide que à partir de maintenant, c'est full puzzle. Le jeu est vraiment incroyable. Le seul défaut que j'aurais envie de lui mettre, c'est que c'est qu'on n'a pas de... Ouais, mais d'accord. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration à faire sur les balles. Hein. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est genre... Aïe.
C'est genre d'avoir une amélioration, enfin de réussir à améliorer le canon pour qu'il ait tout le temps 3 tirs, ou tout le temps les gros tirs, ou des trucs comme ça, quoi. Ça aurait été cool, ça. Ça plus Metroid, ouais, un peu, ouais. Tu peux pas détruire la structure en bois avec la bombe. Non. Ah ! Valor, je t'ai remercié pour ton follow. Si c'est pas fait, je m'auto-flagellerai pendant les 3 prochains jours. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bravo! Enfin libre! Oh, l'heure a sonné! L'heure de ma vengeance! Ah oui. Et un petit merci, un truc, non? Ramaton auto-flagelle. Ok, j'ai envie d'aller tout à droite. Ok, nice. Donc là, il y a un secret là. Je voulais pas décrocher de la Run Dead God. Salut Googly. Alors t'en as pensé quoi? Elle était pas mal cette Run Dead God, hein. Typiquement cette amélioration là, j'aimerais l'avoir pour tout le temps en fait. C'est vrai que cette Run Dead God, elle est quand même incroyable. Hein. Elle est quand même vachement incroyable. Hein. Sécession et Book of Revelation sur Basement 1, c'est du jamais vu. Hein. C'est littéralement du jamais vu. En plus, les item rooms étaient juste à côté l'une de l'autre. Merde. Ah oui, ça va être laborieux, là. Non, oh, oh, c'est Flipper. On joue un Flipper, là. Nice. 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 Super. Pas un truc à faire avec ça? Non. C'est une bonne ambiance feutrée, ça, hein, qui donne bien envie de crever. Oui ! Oui, 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 bravo ! Désolé, c'est un cri du cœur, ça. J'ai jamais dit que les cris du cœur étaient stylés, hein. Salut Charlie. Pas de chance, Coab n'est pas là pour dire bonjour. Ça va faire bizarre pour vous. Vous êtes bizarre, hein. Le cœur est juste un peu malade, hein. Juste un peu fatigué. Oui, c'est les catacombes. Mais en fait, on est dans le truc d'Hollow Knight, là, le nid avec les araignées. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein.
Ni profond, the nest. The deep nest. C'est ça, non? Deep nest. Deep nest de ses morts. Moi, j'ai bien aimé cette zone. En fait, y'a pas vraiment eu de zone dans lesquelles j'ai pas été heureux. Lui, il est intuable en fait. Ok, nice. C'était trop bien. C'était trop. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi cette petite porte trop mignonne? La porte, elle est trop mignonne, la porte! Bah oui! Ok. On va crever là. Hein. Attends. Viens là. Oh, comment j'ai vesquille là. Oh, la petite mèche. Non mais en vrai, moi ça fait partie des jeux, il y en a pas énormément des jeux comme ça où je peux vraiment die and retry sans rager. C'est vrai que la Neuzo de l'eau, même si j'ai beaucoup d'ail, elle m'a pas déplu. Mais c'est magnifique là, non mais attendez, mais c'est juste trop beau quoi. J'imagine que le jus vert, faut pas que je le touche. C'est du jus, c'est vert, bon. Je peux pas pousser ça. Qui vit là? C'est quoi tout ça? Des tombes? Ça ressemble à l'espèce de sentinelle que j'ai dû affronter au giga-arbre. L'Exens. Les Excaris se servaient de leurs propres défunts pour en créer. Tout ça a des airs de sinistre rituel. Cette chose qui alimente toute la cité? Donc depuis le début, en fait, on alimente la cité avec les restes cadavériques d'une ancienne civilisation. Ça fait plaisir, ça. Ça fait super plaisir. Ah mais comme ça, pas de gaspillage. Ok, il y a encore une mèche ici. Le pétrole quoi. J'avoue de ouf. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait pas réfléchir, ça fait rager, je reconnais. Attendez. On recycle papy et mamie. Ça, vous avez pas honte? Vous aimez pas vos aînés? Soleil vert quoi. Après dans Soleil vert ils s'en nourrissent quand même. Là on s'en nourrit pas. Du moins on le sait pas encore. Eh merde, ça va être chiant. Attends mais sinon je la fais arriver par là. Pas du tout. Après c'est full protéines, c'est réel. Hein. Dommage, c'est pas mal là. Hein. C'est un joli try. Attendez. Non! Je m'étais juste mis un tout petit peu plus haut à ce moment-là. Dommage.
Oh, magnifique. Juste magnifique, en fait. On n'a jamais vu ça. 15 ans de carrière. Mais pourquoi il y a autant de... Pourquoi il y a autant de pièces Y alors qu'on est à la fin du jeu? C'est qu'on est peut-être pas à la fin du jeu. Oh, une cliente, ma foi, merci de ta visite. Mais si j'étais toi, je ne m'attarderais pas dans le coin. Ces grottes ne sont pas pour les êtres vivants. Alors qu'en réalité, si on avait menti à chaque interview, peut-être qu'on se relevait le 20, quoi. Ça, la réalité aussi. C'est intéressant, je trouve que le système de leveling dans le jeu est plutôt intéressant, j'aime bien. Voilà, encore une porte chat, ok. Là, on peut pas aller. Et les portes chats, pour l'instant, on peut pas les ouvrir. Pas l'impression qu'on puisse juter sur le jus vert. Interagir avec. Voilà. Oh, c'est stylé. Arrête! Ok. Ok. Oh là, ça va être compliqué. Oh là, ça va être compliqué ça. Ça me fait peur. Il se passe quoi si je vais à droite là? Oh! Le plaisir. Si seulement j'avais pas amélioré autant mes PV là. Trop la haine. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, on est pas si mal avec cette belle barre de vie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que vous galérez dans le truc du sous-marin. Hein. Oh là là, mais quel génie! Sûrement oui, j'ai 3 HP. Ah bah voilà! Ça veut faire le malin en mettant tout dans le mana et en fait après quand il s'agit de game, ça game plus quoi. Bravo. J'ai tenté une run full grid sur en galère. Je recommencerai autrement mais c'est pas un problème. Oui, ou pire tu recommences quoi mais... Oula, c'est quoi, monarque infesté? Oula. Salut. La fille dans la tête de chat volant, elle m'a rejeté. L'essence, je ne peux plus la toucher à présent. Je dois boire. Je vais te donner la clé de son repère. 3000 éclats ? Si, t'inquiète. Mais frérot, je suis riche. Une clé à l'aspect amusant en forme de chat adorable. Ah là là, c'est chaud quand même. Hein. C'est là son repère. Mais moi, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Il y a tellement de trucs encore à découvrir dans ce lieu. Et gros, ça y est, Chronopost a perdu mon colis. Ça, c'est la haine, ça. Ça fait vraiment chier. Ça, c'est bien chiant. Je suis désolé. Complètement désolé ici. Ça, j'ai pas besoin. Ah, attends. Du coup, on peut aller là, c'est fait. On peut aller en haut à gauche. Ah oui, parce que maintenant, on a la clé. Merci pour la compassion. Bah, je t'en prie. J'espère qu'ils vont payer, mais ils payent jamais. J'espère quand même qu'ils vont payer. Ou alors j'espère que c'était un colis très très cher d'Amazon et qu'en fait tu l'as reçu. Mais bon, personne fait ça.
Personne fait ça en vrai. Ce n'est pas très éthique. Comment ça, mais qu'est-ce qui se passe? Bah là on est en train de se faire ratio là. Counter, counter du ratio là, je counter. Malheureusement non, pour l'instant c'est 110€ à la poubelle, ah merde. Lune de givre, bien sûr. Après, enfin, pareil, genre... à part la taille de mon e-pénis, à quoi servent tous ces que trucs, quoi? J'en ai 6. Ça, j'en ai 3. On sait pas. On sait pas. Heureux après un bon tiramisu dans le ventre. Ah, ça fait plaisir, ça. De toute façon, la bonne place du tiramisu, c'est dans le bide, hein. Ah ouais, genre, en fait... Tu viens là pour récupérer les 3000 balles que t'as pris à l'autre que mec, quoi. Le jeu est trop gentil. Le jeu aurait pu largement m'endormir mes 3000€, ça m'aurait pas dérangé. Et je ne redirai plus jamais ça de ma vie, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Le plot, il a avancé. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu raccroches les wagons, là, Valio? Bah, si t'as des questions, n'hésite pas, hein. Nous, on a bien suivi le lore. En vrai, j'ai bien suivi le lore, hein. Je peux tout vous réciter, là. En même temps, l'or est cool. Son seul défaut, c'est que il parle trop. Il parle trop au début du jeu, quoi. Ah bon. Ah oui. C'est parce que quoi depuis le début du stream? Bah, on a appris que l'Alachi. Attends. C'est relou, là. L'Alachi, en fait, c'est elle la méchante depuis le début. La meuf qui zozote, là. Oui, c'est... Ah, c'est fun. Ok. Ah, dommage. Non, vas-y. Celle qui répare les machines. Exactement, ouais. C'est elle la méchante en fait. Elle a tout contrôlé. Vas-y, mais faut s'activer en fait. Comment. Enfin, c'est bizarre. Elle est bizarre l'ambiance là. Tiramisu, c'est le nom de mon chat. Ah oui, faut pas qu'il soit dans le ventre lui. Ouais, tout à fait, Lampa. Ouais. On en a parlé. Ouais. Tant de double sens. Attendez, je vais me recharger mon jus là. J'ai pas rechargé le jus là. Attendez. C'est pas ça que je veux. Voilà. J'ai le pouvoir et maintenant il faut que j'ai du jus pour l'utiliser. Parce qu'avec ce pouvoir, je vais pouvoir faire j'aurais dû faire il y a des années. Hot tech, tiramisu café, c'est mieux que chocolat. C'est pas une hot tech, hein. Je pense que c'est pas une hot tech. Alors, d'aucuns diront que c'en est une, mais en vrai... le tiramisu... Après, t'as plein de variantes. Genre, Madaron, elle faisait un tiramisu, mais genre famélique. À la poire. C'était genre... une dinguerie, quoi. Ok, nice. En fait, de toute façon, ma daronne, elle cuisinait trop bien. Elle cuisine d'ailleurs toujours très bien. Hein. Juste que je n'en profite plus. En vrai, c'est le truc le plus sad du monde. Hein. C'est quand tu peux plus manger la bouffe de ta mère. Hein. C'est vraiment juste trop triste, quoi. Alors qu'en vrai, si c'était une daronne un minimum dedicated, elle me ferait des colis de bouffe, quoi. Faut pas faire ça. Hein. Restaure entièrement la mana et sa capacité maximale. Et piocher une carte maudite en contrepartie. Ça fait plaisir.
Oh, je peux pas passer, on est d'accord. Un tiramisu citron chocolat blanc. Et le chocolat blanc, c'est trop bon en vrai. Hein. Moi, pendant des années, j'ai pas mangé de chocolat blanc parce que j'étais persuadé que c'était pas bon. Mais en fait, enfin, c'est genre la dingue. Limite, le chocolat blanc... c'est pas du chocolat. Alors déjà, je m'en bats la race, déjà, premièrement. Et ensuite, bordel, qu'est-ce que c'est bon. Passé un certain âge, ce n'est plus à votre maman de vous faire à manger ou faire votre... Ah non, mais évidemment. Genre, je suis pas en train de dire... mais... Attendez... Attendez, de quoi on parle là? J'ai 27 ans, hein. Ça fait 10 ans que ma daronne, elle me fait plus mon linge et à manger. Merci Gire Twitch pour le follow, merci beaucoup. Gnugnugnug, c'est pas du chocolat vu et sans tape, c'est ça. Hop. C'est bon, mais c'est du gras et du sucre. Ah non, mais évidemment, mais comme la plupart des choses bonnes de la vie, hein, c'est pas très bon pour la santé. C'est trop bon, les puristes du chocolat, je leur chie dessus. T'es un malade, Guruk. C'est très très grave. Hein. Ce serait drôle si c'était pas réel en fait. Pourquoi il y a autant de villes hein? Et le chocolat blanc c'est trop bon. Ah bah ça c'est sûr. Team chocolat au cacao. Ah non mais ça m'empêche pas d'adorer le chocolat au lait et le chocolat noir. D'ailleurs pareil, quand j'étais petit j'étais team chocolat noir et rien d'autre, tu vois. Genre je détestais les autres chocolats. En fait j'étais chiant quand j'étais gosse. J'étais un puriste de 8 ans et demi quoi. Donc j'aimais que le chocolat noir. Je chiais sur le chocolat blanc et tout. Et le chocolat au lait. Genre maintenant c'est vraiment team chocolat blanc et team chocolat lait quoi. La gourmandise. Ah, j'étais relou. J'étais là, je bouffais des After Eight et des Fisherman Friends, quoi. Trop relou. Le gosse insup. Mais tu veux pas être un enfant et aimer les choses d'enfant, là, s'il te plaît, là? On dirait que t'as 44 ans. Trop bon, les After Eight. Trop bon, ouais. J'en ai 28, je cherche désespérément un taf pour faire ma lessive moi-même. Oui, je peux comprendre. C'est pour ça que t'as grandi en étant aussi salé, ça va en vrai. Mais déjà au moins tu prenais un peu de chicorée le matin en lisant le journal. Artemis Fall quoi. After Eight, c'est pas une honte, c'est très bon After Eight. Mais par exemple, moi j'ai très longtemps juré par menthe chocolat. Genre vraiment, c'était pour moi, il y avait que ça qui existait, tu vois. J'étais vraiment. J'étais. S'il n'y a pas 85% de cacao, je veux pas. Mais en vrai, c'était ça. Hein. À 10 ans, je demandais des décas à ma grand-mère et je trempais mon chocolat dedans, tu vois. Bref, menthe chocolat, pendant très longtemps, j'ai juré que par ça. Notamment en glace. Pour moi, la glace menthe chocolat. Et ça reste tiers. Tiers 1. La glace menthe chocolat, ça reste tiers 1, on est bien d'accord, tu vois. Mais genre, en gros, menthe chocolat, je kiffais. Mais en glace, j'ai découvert la glace yaourt. Et la glace yaourt, la réalité, c'est que c'est quand même délicieuse, quoi. Yaourt avec des copeaux de choc. Ouais, ou même avec des petits fruits. C'est le seul truc que j'arrive à manger healthy. Parce que la glace yaourt, tu peux la malverser pour avoir 0% de matière grasse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Bravo! Bonne nouvelle. Ah dommage.
glace yaourt avec de la mangue. Glace yaourt avec n'importe quel fruit, en vrai. Avec des framboises, avec des fraises, avec des myrtilles. La glace yaourt, c'est la vie, en fait. Le mec a grandi à l'envers. La glace yaourt, c'est vraiment genre masterclass plus ratio plus découverte du nouveau monde. Moi, vraiment, hein, je préfère la glace yaourt au sexe. Tu me dis, viens on ken, ou viens j'ai de la glace yaourt. Je prends la glace yaourt. Hein. Navré, mais c'est réel. Hein. Si tu nous dis que c'était shot de mon chéri à 10 ans, j'implose. Bah... Bah en vrai, quand j'étais gosse, j'aimais bien les mon chéri. Maintenant, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Viens, on clone avec de la glace. Ah bah là, oui. Non mais là, oui. Non mais là, voilà. Là, c'est... La meilleure glace que j'ai jamais mangée, c'était au safran. Oh, je connais pas. Un fake sur 20, les mon chéri. Ah, c'est dégueulasse, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah quand j'étais gosse, j'aimais bien. Il y a un autre truc que j'aimais bien quand j'étais gosse et que j'aime plus du tout. Mais ça va être la hottech de trop, vous allez partir. C'est toi Benjamin Button. La hottech de trop, je vais pas la sortir. J'aime plus les glaces depuis mes 15 ans. Ah ouais, ça c'est triste. Ça c'est triste par contre. Némi réagissait fort à l'alcool, bilan... Bilan KO après Simon Chéri, Rebou, Ratio, par cette merde. Attends, quoi? Quoi? C'est pas possible, t'as été reboot à 17 ans. Avec Simon Chéri, elle était reboot. Incroyable. Non, par exemple, les huîtres, j'ai aimé ça très jeune aussi. Ma meuf asiate, c'est ça. Pourquoi t'as une meuf qui est... T'as d'autres meufs, elles sont pas asiates. Ma meuf asiate, c'est ça. Par contre, ma meuf marocaine, ça va, elle est mon chéri, elle tient. Qu'est-ce que... Je vous parle pas de ma meuf suédoise, celle-ci. Bah là, elle est mon chéri par dizaines, quoi. Faut en bouffer une trentaine pour ressentir un truc. Mais après, ça dépend, tu vois, si vraiment l'alcool, soit tu le tiens pas, soit t'as une morphologie, tu tiens pas l'alcool et ou tu t'en bois jamais. En vrai, hein, mon chéri, y a quand même 1 ou 2 centilitres de liqueur dedans. Allez, peut-être 1 centilitre de liqueur. Peut-être j'abuse. Je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est quoi 1 centilitre? Vous savez ce que c'est 1 centilitre? Non, parce que c'est génétique, la majorité des Asiatiques n'aiment pas l'alcool. Alors, moi je suis pas d'accord du tout avec cette tech. Parce que tu vas au Cambodge, ou au Laos, ou au Vietnam, là où ils boivent de l'alcool de riz à 6h du matin, et qu'à 18h ils sont toujours en train de boire de l'alcool de riz, que toi tu bois un verre d'alcool de riz, t'as envie de ramper par terre jusqu'à l'hôtel. Les types, l'alcool de riz a remplacé l'eau, en fait. Je peux pas me permettre de viser, là. Faut que j'esquive. Donc là, j'arrête de viser. Ah oui, non, mais attends, mais... On va crever, là. Non, c'est 10 millilitres. 1% de 100 centilitres. C'est beaucoup ça, hein. C'est lui qui rendit elle.
ceinture noire en alcool de riz. J'ai une bouteille d'alcool de riz qui vient tout droit du Cambodge sous mon évier là. Faut pas que je me trompe parce qu'on pourrait croire que c'est une bouteille de. On pourrait croire que c'est une bouteille de décapant quoi. Ah, parce qu'il y a des Montchéris qui sont pas forcément. Parce que c'est quoi la liqueur qui est dans le Montchéri? Mon chéri, Malibu en choix. Oh putain, le Malibu. Oh, je crois que c'est de là que vient ma haine du coco. C'est du kirsch. Ah, c'est peut-être du kirsch, ouais. C'est un bon truc de... En plus, c'est vraiment un truc de vieux. Quand je bossais en restauration, t'avais toujours des petites vieilles qui venaient au bar. Un kirsch cerise. Un kirsch abricot. Un kirsch kiwi. Ah, t'es avec ton kirsch. C'est pas bon le kirsch, ça... direct, genre t'es là, tu bois un kirsch, t'as besoin de 36 gaviscons pour t'en remettre quoi. Il va continuer à me tirer dessus comme ça longtemps ou pas? Ma meuf ne jure que par le Malibu, ça me dégoûte, je comprends. Hein. Hein, Malibu c'est vraiment immonde. La petite Malibu qui dégoûte de la coco à vie. Oui, et l'autre truc qui m'a dégoûté, mais ça m'a pas dégoûté de la pomme, ça va, c'est la manzana. Ma première cuite, mais genre vraiment la cuitasse, quoi. Ou genre, bah du coup, bah c'était ma première cuite, donc forcément, bah j'ai vomi partout et j'étais trop dans le mal. Parce que tu sais pas boire à ce moment-là. Alors, c'est pas obligatoire hein, de passer par là, hein, mais c'est comme dire les premières fois, c'est de la merde. Bah souvent, les premières fois, c'est de la merde, mais il peut y avoir des gens pour qui ça s'est bien passé. Bref, moi, bah, la première fois que j'ai bu de l'alcool, ça s'est pas bien passé du tout. Puisque j'avais une bouteille de manzana et je pensais qu'une bouteille de manzana, bah c'était pour une personne. Et du coup, je me suis dit que bah si je voulais boire, il fallait que je boive la bouteille de manzana tout seul. Et j'avais 14 ans. Ou 13 ans. Attends, j'étais en quelle année? J'étais en 4ème. J'avais 13 ou 14 ans du coup. 14, je pense. Et bref, et du coup, j'ai bu la bouteille de manzana tout seul. Et j'ai vomi de malade. Hein. J'ai plus jamais rebu un truc avec un goût de pomme dedans. Même du jus de pomme, je peux pas. Tu vois. Première cuite à l'absinthe. L'absinthe, non mais d'accord, mais là tu joues en hard là. Non mais là tu joues à Dark Souls en slibar quoi, c'est pas possible. Il est... Ouais, c'était mieux quand c'était Robin qui l'utilisait quand même. Hein. C'est bizarre, ça marche pas pareil. Hein. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud! Oh. Aïe aïe aïe! Première cuite à la tequila et je peux plus sentir la tequila, ça me dégoûte de ouf. J'aime bien la tequila, moi. Première cuite de bière, je rempète, elle a un mollusque. Putain, c'était facultatif. Tire des projectiles éthérés qui cherchent les ennemis et peuvent les atteindre même à travers les murs. Putain, incroyable. Il y a un super coucou à Covid et à la commune. À la commune de Paris. Coucou la commune. Salut tous ces cas. Première cuite de vodka à 10 ans. C'est un peu jeune. Un peu jeune. Salut la commune. Ok, ne dites plus bonjour sur ce chat, mais dites salut la commune. Et Covid à tous.
Salut la commune, quoi. Du coup, je dois aller là ? Non, dommage. Non, il y a 10 ans. Ah ! Ah oui, une première cuite à la vodka à 10 ans, bon... Le lendemain en CM2, là, le contrôle surprise, je l'ai pas senti. Hein. L'autodictée, elle était rude. Mais si t'as 18 ans, c'est pire, c'est vrai. La petite dictée, là. Meilleur tech d'appeler sa commu la commune. Est-ce qu'on n'aurait pas enfin trouvé le nom de la commu? Le repère de la lâchie. Ok, cette affaire c'est du sérieux. Je n'ai aucune permission de l'appréhender, mais je n'ai pas le choix. Une fois que je serai face à elle, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Une fois que je serai descendu, je ne pourrai plus revenir en arrière. Est-ce que je suis vraiment prête? Non. Non, il faut que je fasse mon deck. Ok, on arrive à la fin du jeu quoi. C'est dommage qu'on puisse pas se TP parce que, genre, en vrai là j'aimerais bien aller 100% le jeu, tu vois. Mais Bah c'est long quoi, c'est long de faire le trajet. Du coup c'est un peu dommage. Voyage rapide. Et pourquoi il y a un vortex de voyage rapide mais je peux pas l'utiliser? Alors, modifier les decks. Ça j'ai pas besoin d'en avoir deux. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Le dragon, c'est pas mal. Hein. Là, c'est des trucs un peu support invocatrice arme. Fusil à pompe, boomerang. C'est pas mal aussi, ça fait des dégâts, quoi. Ça, par contre, c'est nul. Hein. Ça coûte cher et c'est nul. Armure, c'est pas mal. Créer l'armure qui dure indéfiniment. Ah non, un d'armure qui dure indéfiniment. Ok. Il faut pas avoir d'armure, quoi. Y'a pas un shop pas loin? Non. Des pires cuites de ma vie, je suis avec Aeterna et Regat. Moi, une de mes meilleures cuites de ma vie, je suis avec Aeterna. Et chiche, du coup. C'est la cuite où on est devenu copains. Un jour, vous aurez le lore de cette cuite. On pourrait écrire des trucs là-dessus. J'ai fait pipi dans les jardins d'Ubisoft. Mais ça, faut pas le dire. Tu as des problèmes. Eh bah t'as pris tout ton temps, comme toujours en fait, t'es trop lente. Est-ce qu'on commençait à s'ennuyer à force de t'attendre? Je sais que tu es loin d'être idiote, tu as sans doute une botte secrète. Mais moi, je suis loin d'être faible. Peu importe le tour que tu as préparé, il ne marchera pas sur moi. Oh, une vraie héroïne, une vraie dure à cuire. Tu n'es plus la même reine que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps. Tu n'es plus... Le Link peut vraiment accomplir des choses prodigieuses. Enfin bref, tu as tout à fait raison. C'est bel et bien une botte secrète. Est-ce que je viens de Roté là? C'est pas moi. Dorothée? Oui? C'est toi? Oui? Et la voilà, Taza! Ça... Oh! Tented Robin! Rain! Robin? Bon, la cinquième roue du carrosse, tout ça, hein. Donc bon, si vous avez besoin de moi, bon bah salut. Rain! Viens donc t'asseoir à côté de moi, je veux te parler! J'ai entendu dire qu'ils allaient bientôt nous envoyer combattre. Tu crois que ton Link se sera éveillé d'ici là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense juste que les gens te feraient plus confiance s'ils avaient l'occasion d'apprendre à te connaître. Peut-être que tu pourrais donner un peu plus de toi pendant les apparitions publiques, essaie de sourire un peu plus. Si ton Link ne s'éveille pas, nous serons peut-être forcés de partir sans toi. Mais cette guerre, pour moi c'est trop. Je ne me pense pas capable de combattre sans toi, Rain. J'ai peur. S'il te plaît, ne va pas le répéter aux autres. Oh, Robin, que t'ont-ils fait? Ah oui, c'est... Je fais confiance à la commune.
J'ai mal. Gaïa, est-ce toi? Quand le ciel s'est déchiré, je t'ai vu. Je ne pouvais pas t'entendre. Je sais que notre extinction est imminente, mais j'ignore comment l'enrayer. Je ne sais pas quoi faire. Je dois sauver tout le monde, sans exception. Je ne peux pas échouer, pas encore. Ah, c'est un flashback de... à l'ancienne, tard l'époque. C'est moi qui les ai laissés briser le ciel. Tant de gens sont morts. Tout est de ma faute. Je suis seul. Personne d'autre n'a la force nécessaire. Personne ne peut m'aider. J'ai besoin d'aide. Gaïa, pitié. Robin, reprends-toi, je suis là pour toi. Et... ils me détestent tous à présent. Après tout ce que j'ai fait pour eux, ils m'ont tous tourné le dos. Ça ne fait aucun doute. Et j'ai sacrifié tant de choses pour les protéger. Mais ils ne méritent pas qu'on les protège. Et toi, Rain, tu es la pire du lot. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as pris tout ce que j'avais. Et voilà où nous sommes maintenant. Deux Night Witches, la plus adulée, la plus haïe. Un coup du destin. Je vais t'anéantir. Et ensuite, je reprendrai la totalité de mon Link. Moi, j'ai pas du tout l'alcool mauvais. Genre vraiment pas, quoi. Ok, elle a les mêmes patterns que jadis. Aïe aïe aïe. Oh la musique. Ah, ah d'accord. Ah d'accord. Là! Ah non! T'es où? Ah non, ça va! Ah non, hein. Ah non, je perds pas, hein. Moi, je veux first try. Je veux first try les derniers boss. Tous. Ah non. C'est fini, Robin. Tu dois t'arrêter là. Je t'en prie. Il me faut plus. Plus de puissance. Je n'y vois plus rien. Gaïa. Gaïa, es-tu là? Je te vois. Ça y est. Je te revois enfin. Es-tu venu me chercher? Une seconde. Tu n'es pas Gaïa? Mais qui? Qu'est-ce que... Ah! Robin! Non! Ah non, c'est pas une P2 ça. Donc ça c'est Gaïa, hein. C'est la meuf qu'on voyait. Notre connexion est plus puissante. Je peux percevoir ton esprit. Ton nom est Ren. Je comprends à présent. Grâce à ton savoir, je peux enfin voir ce qui me tue. L'essence, comment tu appelles ça? Il l'arrache au cycle de la vie. Elle est extraite des morts, puis sert ensuite de combustible. Vous ne laissez pas me revenir. Mais mon souffle est une immense source de pouvoir. Comment l'avez-vous déjà presque épuisé? Par la guerre? C'est bel et bien la fin des temps qui nous accable. Par chance, tout le monde a confiance en toi. Dis-leur. Ils doivent neutraliser la machine.
Ah bon? Nous devons arrêter la machine. Robin, est-ce pour cette raison que tu voulais un Link aussi fort? Je dois accomplir cette tâche pour elle, pour tout le monde. Nous n'avons plus le temps. Je dois retourner au château. C'est là que se trouve le cerveau de la machine. Si on peut neutraliser le cerveau, alors on a peut-être encore une chance. La fissure, elle ne se referme pas, mais elle est encore toute petite. Nous avons une chance. Je dois arrêter la machine avant qu'elle ne devienne encore plus puissante. Mais je peux pas sucer le Link de Robin. Moi, je l'aurais bien sucé le Link, en vrai. Récolte Robin avant de partir. Mais j'aurais bien aimé, ouais. Un peu déçu. Un peu politique, le jeu. Bah, en vrai, il a un gros propos, hein. Ok. On fait gauche, haut. Ah oui, d'accord. Ah, putain, faut tous trop taper. Quel plaisir. Quel plaisir. Hot tech, la guerre, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas trop la bagarre, ouais. Pas fan. Pas fan non plus. Là ! Ça a changé ici. Du coup, je peux pas traverser. Ça a changé. Ah. Comment j'y vais? Ok, en passant par la droite. Déguste ta pote. Oula. What the... Mais... Pourquoi ils me disent d'aller par là-bas? Ouais, y a pas de cooldown sur les dashs. Attends, mais y'a le Stremont ici. Aussi sympa le jeu après toutes ces heures. Le jeu pour moi c'est masterclass, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Pour moi c'est un des GOTY, c'est largement un des GOTY de l'année en indépendant. Après là on doit être à. On était à 7 heures de jeu avant de lancer, plus 2, on est à 9 heures de jeu et on approche de la fin là. Reine, je sais que tu essaies d'appréhender Lalachi. Est-elle là? Méfiez-vous d'elle, c'est elle qui a orchestré l'invasion. On sait, elle a tout avoué. Vraiment? Oui, et je lui ai accordé mon pardon officiel. Tu as interdiction de t'en prendre à elle. Mais c'est une véritable génie du mal. Elle a aussi déployé tous les moyens possibles pour ne tuer aucun civil. Elle a créé un chasseur de Night Witches, uniquement pour nous montrer à quel point nous dépendions d'elle. Elle a bombardé la cité. Seulement pour prouver combien notre compromis de paix nous fragilisait. Elle a fait de Robin un véritable monstre et elle a manqué de tuer mon mari 2 fois. Elle m'a laissé pour morte à la surface. J'aurais pu mourir aujourd'hui et pas qu'une fois. C'est un ordre, Reign. Nous avons besoin d'elle, de sa technologie. Ok, vous savez quoi? Je m'en fiche. Donnez-lui donc un prix si ça vous chante, mais écoutez-moi. Nous devons arrêter la machine. As-tu perdu la tête? Tu sais très bien qu'on ne peut pas vivre sans elle. Faites-moi confiance. Nous pouvons trouver un moyen de survivre, mais pour l'heure, il faut la mettre hors d'état de nuire. On ne peut plus dépendre de l'exence. Est-ce que tu as parlé avec Gaïa? Oui, je l'ai vue dans ma vision et elle m'a dit que... Oh non, non, elle commence à parler comme Robin. On ne peut pas se permettre d'avoir une autre Night Witch en roue libre, déterminée à faire sauter la machine. Tu peux pas considérer ceci comme un avertissement officiel. Si tu continues comme ça, nous te traiterons comme notre ennemi. Je ne veux pas me battre contre vous, mais si vous m'y poussez, je donnerai tout. Ok, on turn out comme Robin en fait. Robin avait donc raison depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait là? Reine, ne fais pas ça. Les golems witches ont été créés pour honorer la mémoire des Night Witches et de leur héroïsme. Ne me force pas à les déployer contre toi. Les golems witches? Qu'avez-vous fait? Allez,
Robin McQueen. Attends, pas totan. Qu'est-ce que c'est cette merde? Comment osez-vous? Citoyens, citoyennes de Donjonidas, nous avons une terrible nouvelle à vous annoncer. Rain nous a elle aussi trahis. Elle vole en ce moment même en direction du château et compte détruire la machine. Mais n'ayez crainte, les golems aussi sont là. Ils nous protégeront et nous conduiront vers un avenir radieux. Ces golems aussi sont une abomination, mais ils ne suffiront pas à m'arrêter. Attends, attends, moi j'ai ma scène à changer. Oust. Quoi? Elles ont tout un skin de Nightwitches quoi. Ah, je suis là. Très très bien. Robin did nothing wrong. Pas totalement d'accord avec ça quand même. Je peux pas aller par là et c'est normal puisque on doit rush château là. Je peux pas passer par ici. Ok. Ok, ils ont refait les. Bah super. Je me mets une armure et elle part direct. Ça va? Ça va? Étourdi, t'es étourdi. J'ai trop la haine de finir le jeu là. Je suis trop deg, hein. Le jeu est trop bien, j'ai pas envie de le finir. Est-ce qu'on peut avoir du contenu additionnel s'il vous plaît? Je vais canner là. Est-ce qu'on peut avoir du contenu en plus? Du contenu en sus? Là. Rain se rapproche du château. Les golems aussi sont forts, mais Rain puisse toujours dans nos forces par l'intermédiaire du Link. Bannissez-la de vos cœurs. Nous devons la priver du Link. Elle seule, elle n'a aucun pouvoir. Sans notre Link, elle n'est plus rien. Ah ouais, non, faites pas ça. Faites pas ça, la commu. La commune. J'ai besoin de vous, la commune. Non, non, non. J'ai pas accès au shop du coup, évidemment. C'est fâcheux ça. Zéro followers. Après, oh, c'est là que ça va marcher. Vu que je leur ai dit la vérité depuis le début, ils vont quand même me soutenir. Vu que j'ai dit la vérité depuis le début. Et donc là, si t'as pas dit la vérité, ok, t'as eu plus de links et le jeu a été plus facile avec toi depuis le début. Mais par contre, tu perds tout maintenant. Oh, c'est trop stylé! C'est incroyable! Oh, j'ai bien fait de dire la vérité. Ah ouais, donc du coup, si t'as pas dit la vérité... Genre là, tu te fais ratio et t'as plus de link et tu te fais fumer, quoi. Bravo pour l'honnêteté. Bah bien sûr, moi je suis très honnête. Propre si c'est le cas. Ah bah c'est sûr que c'est ça. C'est Baxit lui-même. Bah en vrai, j'ai deviné, quoi. Attends, mais j'ai déjà plus de vie là. Yes. Attendez, je vais y aller en mode plus propre là. Parce que là j'y vais comme un sagouin là. J'y vais comme un gros sale. Ça va tu?
Super. Je vais chercher un soin pour qu'il serve à rien. Oh, le ratio. Horatio. L'autobahn, c'est sur les streams allemands. Incroyable le dernier album de SCH, Autobahn. J'ai trop aimé, moi. Après, moi j'aime. Hein. Ça va? T'as pas l'impression de te foutre un peu de ma gueule? Dernier album de Mozart. La situation est pire qu'on le croyait. Nous sommes désormais en possession de preuves tangibles, indiquant la complicité de Ren et Robin dans l'invasion d'aujourd'hui. Tout ceci n'est qu'une ruse pour nous manipuler. Une fois le méfait accompli, elles se sont trahies entre elles. Telle est l'affliction des Nightwishes. Une surdépendance de Link entraîne inévitablement la folie. Mais les golems Witches sont exemptes de tels défauts. Faites leur confiance à eux et non à Rain. Ça va pas marcher, ça va pas prendre. Ça va pas prendre. Je suis sûr que ça va pas prendre. J'y crois. Tu mets ta main devant ta bouche quand tu fais le mégaphone. Mais t'as zéro preuve. T'es là? Ah, t'es là? T'es où? Tu sais pas, en vrai. Non, non. Ils ont fermé le portail. Ah, évidemment. Tu m'entends? J'entends, oui. Qui est-ce? Oh, le ciel soit loué, c'est moi, Akai. Ah non, pardon, c'est pas la bonne voix du coup. C'est moi, Akai, ton mari. J'ignore pourquoi ils font tout ça, mais tu n'es pas seul. Il y a encore des gens qui ont confiance en toi ici, Rain. Tu as fait tant de bien. Tu tiens nos vies entre tes mains. Nous allons ouvrir le portail. Tiens bon. Oui, ok, je peux tenir. Après tout, je l'ai déjà fait avant. 2 minutes. Exactement, comme la dernière fois. Tu peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Celui-ci chez You. Tu avais raison. Non mais c'est évident, j'ai dit la vérité du début à la fin. En vrai, si je les tue, les vagues d'après, elles viennent. Donc en fait, j'ai plutôt intérêt à survivre plutôt qu'à tuer les ennemis. Eh oui. Eh oui, c'est très intelligent ça. La bonne technique de lâche là. Voilà. Ah, ça va! C'est bon, j'ai mon meilleur canon. J'ai mon meilleur canon avec WAM. Quoi? J'ai touché quoi là? Non, l'armure est déjà brisée. C'est pas du jeu ça. C'est pas du jeu. Il y a la date de la 0.9, mec. Mais non! C'est quoi? Quelle est la date de la 0.9? Trop bien. 9 mars 2020. Attends, je reprends là? Mais c'est pour me détester, ça! La date de la 0.9 est nulle, et en plus de ça, je dois reprendre ici! Ah, mais entre-temps, il y a Path of Exile. Hein. Faut que tu chopes l'OP Pass of Exile, comme ça au pire, même si c'est de la merde, au moins tu ralasses quoi. Tu te ralasses et... C'est dans le monde dans lequel on a envie de vivre. Attends mais... Putain, ils auraient pu me save, mettre une save à côté quoi. Ça se fait pas. Trop bien.
9 mars 2023. Et il nous déteste. Il nous déteste. Après, ça veut dire que franchement, il va y avoir full contenu dedans, je pense. Attends, mais je peux aller là? PO qui arrive. Bah, PO qui arrive dans 9 jours d'ailleurs. Vu les dernières extensions, je vais pas trop me hype avant de voir quand ça sort. On parle bien de la cette époque, hein. Ouais, les dernières extensions étaient nulles. Enfin, pour moi, le jeu est tellement complet, il y a tellement de choses que... Enfin, j'adore le jeu, en fait. Merci Aramik pour le follow, et merci Egir Twitch également. Merci beaucoup. Ça va ! Arrêtez! Arrête! J'ai envie de pleurer là. De grosses larmes coulent sur mes joues. Et même avec ce gros canon qui fait normalement supposément beaucoup 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 de dégâts, on galère un peu quoi. Là, mais tu veux que je fasse quoi là? Gros, ça y est! Le portail est ouvert, c'est l'heure de décarpir. Ah, faut que je les tue maintenant tous! Oh là là. Oh. Allez, salut, hein. Ah! Quel jeu j'ai pas suivi là, cette époque. J'attends le multi. Bah, le multi, justement, arrive avec la 0.9. La 0.9, c'est quel jeu, pardon, j'ai pas suivi. Ah, tu parlais de PoE, ok. Après, on va tester la prochaine saison de PoE, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout. Ça se trouve, ça va être la masterclass et on deviendra des streamers PoE. Merci pour tous les GG incroyables. Arrêtez! Arrêtez! C'est bon! C'est qu'un jeu vidéo. Arrêtez de me dire bravo, là, pour ce que je viens de faire. C'était incroyable. Oui! Tu as réussi! Nous avons évacué le château. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais maintenant, c'est à toi de faire ton truc. Merci. Merci, Akai, mon amour. Et maintenant, pars! Je t'en prie, il faut que tu évacues toi aussi. La situation va vite dégénérer ici. Fais attention à toi. Incroyable. Peut-être qu'il y a... Merci Blop pour le follow, merci beaucoup. Rain est à l'intérieur du château! Elle représente un danger pour nous tous. Il ne faut pas lui faire confiance. Accordez plutôt votre confiance aux golem witches. Ce sont des merveilles de la science, et aussi gagnent en puissance grâce à votre Link. Seuls les golems magiques peuvent nous sauver. Accordez-leur votre confiance, maintenant! Et c'est là que... C'est là que je devrais savoir si... Ah bah c'est les deux dernières cartes du jeu, quoi. Okay. Une nounours. C'est là que je devrais savoir si... Ils ont rompu la confiance avec moi ou pas, quoi. Ça, c'est un peu le désespoir aux haut-parleurs. Bah, j'imagine que si on avait menti jusqu'à maintenant, ils seraient pas en train de paniquer au mégaphone. Ok. Ah, elle est là! Vous n'avez pas vu le coup venir!
Reine, ne fais pas ça. Je t'en prie, il y a tant de choses que nous pouvons accomplir grâce à l'exange. Nous pouvons explorer la couche souterraine. Nous pouvons reconquérir la surface. Oui, je peux construire des boucliers solaires comme celui que je t'ai donné, mais en plus gros, assez gros pour couvrir des villes entières. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut plus utiliser l'exange. Mais il y en a tellement! Il y a assez de momies excarées pour durer des décennies et des déjà appris à reproduire leur rituel. Nous pourrions aussi extraire de l'exence à partir des dépouilles de nos propres citoyens aussi au lieu de les en tirer n'importe où. Ah oui. J'en ai assez entendu! Le cerveau sera détruit aujourd'hui! On ne pourra pas la convaincre! Fuyons, avant qu'elle ne nous tue! Golem Witches! Rassemblez-vous au cerveau! Reine doit être anéanti coûte que coûte! Ah, c'est vraiment le sous-texte, le pétrole, quoi. Ok, je suppose que c'est à moi de sauver tout le monde. Et mais voilà, sans personne pour m'aider. C'est exactement ce que tu as ressenti, n'est-ce pas? Qui ça? Où sont les méchants? Moi je tue tout le monde là. Lui il faut vite le tuer. Il va être insupportable. Merci. Non, j'ai eu. Non. Quoi? Ah, faut le taper. Faut le taper. Ah bon? Ah d'accord. Ok. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il fallait taper le queutru. Ça a du sens. Ça, en vrai ça a du sens. Je suis pas choqué. Je suis pas choqué par l'info. Ça va. C'est It Lives, un peu ouais. Et maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que... Ah mais quand il y en a plus, il y en a encore en fait, le jeu est interminable. Je la vois. La fissure se forme juste en dessous du château. Quelque chose en sort. Le vrai boss de fin, c'est fini ou... Est-ce que je peux bien faire d'autre? Une seconde. Il est en dessous du château. Si le château tombe, peut-être que ça pourra l'arrêter. Je dois briser les chaînes. Oh là là! Il faut briser les chaînes! Salut Ariel. Le vrai jeu commence maintenant. Le tuto est terminé là. Brise tes chaînes! Ah oui, c'est un peu robuste. Elles sont un petit peu robustes, les chaînes, là. Il y a combien de chaînes? J'imagine 2? 4? Moi, j'en vois 2, moi. Est-ce que c'est vraiment en dessous vu que le château est à l'envers? Tu crois que le château est à l'envers? Mais t'as pas de preuve. Attends, mais du coup je vais tomber avec là. Bah rip hein. J'imagine que j'ai canné. La fin du chemin. Reine, tu es vivante? On a vu le monstre. Tu l'as bloqué à la dernière seconde. J'ai fait une erreur. J'avais tellement tort. Ça a marché? Il est parti? Ça a marché? Est-ce qu'on est en sécurité? Répondez-moi! Nous sommes en sécurité pour le moment.
Le château couvre la fissure, mais il finira par s'effondrer. Veux l'examiner et j'ai fait le calcul. Il faudra peut-être 3 ou 4 ans avant que cela arrive. Plus, si on renforce le château, et si nous utilisons les éclats d'excence que j'ai déjà rassemblés, nous pourrions... Donc, nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Tout ça n'aura servi à rien. Ne dis pas ça! Tu nous as donné une chance! Tu nous as tous tout donné! Si nous sommes ici, c'est uniquement grâce à toi! Non, je ne peux pas laisser les choses en l'état. On a perdu la surface. On ne peut pas continuer à retarder l'échéance. Je dois régler ça pour de bon. Mais tu ne peux rien faire de plus! Je suis la seule à pouvoir essayer. Maintenant, je comprends enfin le fardeau que Robin a dû porter. J'avais une vie heureuse avant que tout ça commence. Je ne me souciais vraiment de rien. Et maintenant, tout s'écroule, et c'est à moi de trouver un miracle. Quand j'ai décidé de devenir une Nightwitch, j'ai dit que je ferais tout ce que je pourrais. Et maintenant, avec tout le pouvoir que les gens m'ont donné, je sais que je peux en faire plus. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je dois arranger ça. Et qu'est-ce qu'il y a, genre on est surpuissant, méga puissant là? Il est très stylé Akai quand même. Sors la main de ton falzar, ou ce bandeau. Tire sur la scientifique et le vioc. Par contre c'est terrible, genre vraiment... Je peux pas partir maintenant, oui d'accord. Genre ils ont tous fait de la merde. Attends, c'était quoi? Ils ont tous fait de la merde et genre vu que c'est les dirigeants, tout le monde s'en bat les couilles quoi. Je peux partir maintenant, si je le veux je peux rentrer chez moi et retrouver Akai. J'ai fait tout ce que j'ai pu et la fissure est quand même ouverte. Peut-être que je devrais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de la situation. Voulez-vous abandonner et rentrer chez vous? Ah bah non. Et là, nouveau jeu, en mode The Messenger, quoi. On va aller dans la fissure, c'est ça? Ah oui. Extinction. Extinction, rébellion! Mais ça fait pas de dégâts, là. Attends, mais je leur mets rien. C'est ça, l'ennemi? C'est l'ennemi, ça. Ça va? Et par contre, genre, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu de shop en fait? Ah, il a un peu de vie, hein. Il a un peu de vie, le frérot. Il est où? On sait pas! Les squelettes sont en séminaire. Concentration est à son maximum, hein. On peut pas faire plus là. Il faudrait du jus, merci. Oh non ! Pas du jus ça. Je l'ai tué là? Attends, il a une deuxième barre de vie? Tu te fous de moi? Attends, what? What?
Quoi? Et gros, ça y est! C'est une blague! C'est pour se foutre de moi là. Yes. Et yes. T'as tué les yeux verts. Yes. Bravo Koab, hein. Félicitations. Vivement la P3. Elle est so longue, hein. Allez, salut, hein. Attendez, on va essayer de... C'est un peu mystique. Non, mais ça, c'est d'accord, mais on va essayer de voir si je peux pas faire un meilleur deck. Ça, en vrai, je l'utilise jamais, hein. Parle au Kemé de l'école de commerce. Restaure entièrement le mana à sa capacité maximale, vous piochez une carte maudite en contrepartie. C'est pas mal ça quand même. Hein. À place de ça... Pendant 5 secondes, toutes les cartes que vous utilisez auront un coût d'un mana nul, mais n'auront aucune effet, ça c'est nul. Tous les éclats à l'écran explosent, endommageant les ennemis proches. Vous défaussez cette carte, la prochaine carte que vous piochez verra son coût de mana fixé à 0, jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Ça faut l'enlever aussi. Salut Momok, salut Rastel. Invoque un anneau de pierre physique autour du lanceur pour bloquer les projectiles en approche. Les pierres ont une durée indéfinie mais se brisent après avoir subi une certaine quantité de dégâts. Toujours un plaisir ici. Ah bah c'est gentil ça. On y va comme ça ? Par contre le combat dure 112 ans quoi. Genre réellement 112 ans le combat. Merci à Smoody pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Il apparaît là. Il apparaît, je suis à mon pic là. Je suis à mon prime. Putain, il était pas là, j'étais à mon prime.
Non ! Je voulais me heal avant, enfin je voulais mettre une armure. Fuck, fuck, fuck. Oh non, c'est bon! Mais gros, ça y est là, non? Oh non, ça va! J'ai pas envie de reperdre. Non! C'est dur. C'est dur, c'est dur. Bah surtout que je peux pas aller voir la meuf pour doubler mes cartes et tout quoi. En vrai ça c'est bien mais j'ai pas de fenêtre de ouf pour l'utiliser. Et ça, non, c'est bien ça. Voilà, comme ça, j'ai des trucs pas chers et les trucs chers, c'est les trucs que je dois utiliser en priorité. Y a pas d'autres sorts défensifs? Parce qu'en vrai, lui, offensivement, il sert un peu, mais pas non plus des masses. Allez, go. Bah super. Oh, c'est une bonne idée ça. C'est bien parce que j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour me protéger quoi. C'est quand même dommage. Ça va, tu veux de l'aide? Faut prendre le temps de faire le compte de ceux qui comptent. Ah non! J'ai pas pris le temps là! Non, ça va! Putain. Arrête! C'est pas possible ça!
C'est de la triche. On constate juste full triche là. C'est dommage que le boss de fin ce soit celui dont le design est le moins intéressant en vrai. De la merde. J'ai fait de la merde avec mon deck là. Faire juste qu'il a pas de P3 quoi. Ces boulas là, c'est l'enfer. Hein. N'importe quoi. Oh. Ça va, tu c'est un truc de ouf ça. En vrai. Et merde. C'est dur, hein. C'est très très dur. Celles et ceux qui n'ont pas boosté leur vie et qui ont 3 cœurs, je sais pas comment vous allez faire. Hein. en vrai, ça me branle. Ça me brise mon momentum, là. Il me faut des trucs offensifs ou défensifs. C'est pas mal ça, hein. En vrai, vu que je bourrine les sorts, c'est pas trop mal. Comment on va faire? Bah j'ai commencé une nouvelle save, ah bah je pense que c'est ce qu'il faut faire, ouais. Tu peux pas refouiller et revenir plus tard? Bah non, parce que là, si en fait, si je quitte la zone, là, c'est fin du jeu en mode la mauvaise fin, quoi. J'ai envie de faire pipi, mais je sais pas si c'est un bonus ou un malus, là. Je pense qu'on est sur un malus, donc je vais aller uriner, à tout de suite. Je fais vite. Ah non ! Alors que des pertes d'image se font savoir sur le live... Non mais attendez, c'est quoi ça ? Je suis maudit ou quoi, là ? Non, je suis pas maudit, je suis coffé-fé. Je vais tenter un truc. Pour ma défense, je pensais que avec l'inertie de la gravité relationnelle selon Einstein, j'allais pouvoir épouser la gravité et la force gravitationnelle de la planète et tourner en orbite autour jusqu'à décélérer et ensuite m'insérer à l'intérieur de la planète quoi. Mais c'est de la physique quantique, pas sûr que vous compreniez. Attends, je suis où là? Qu'est-ce que c'est que truc là? Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, pas dans l'eau, y'a des monstres, c'est sûr qu'il y a des monstres. Mais non, mais on joue pas à Subnautica là, laissez-moi tranquille. Ah, il y a 100%, il y a des stremons du cul là qui vont me sucer jusqu'au sang par le coude. C'est comme ça qu'ils font les monstres. Ils sucent par le coude. En plus, l'eau elle est opaque et tout, on voit pas à travers là. Le petit Léviathan, quel Léviathan? T'es à l'aise quand tu nages avec ta papier, Fifi? Non, absolument pas. Voilà, je me casse. Salut les nazes. Allez, c'est bon, hein, je m'en vais là. Oh, je vais aller me tuer JPP là. Je vais aller là-bas. C'est un peu loin peut-être. 6 km. Non, 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 mais attends, je suis en train de retomber dedans là. Oh non, non, non. Non, mais non, mais non, mais non. Ah! Non mais attendez, mais elle fait flipper! Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je suis sorti de la gravité du truc là. Mais pas du tout, je suis en train d'y retourner! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Là, 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 là! Faut qu'on aille au point rouge, j'imagine. Oh non. T'inquiète, c'est bonne ambiance. Allez, on y retourne. C'est parti. Ah, j'ai sorti trop tôt ma recharge. J'ai sorti trop tôt ma recharge. C'est la panique. Oh oui, j'ai une nouvelle recharge. Incroyable. Mais là, les étoiles s'alignent hein, au niveau des... Au niveau des cartes, ça s'est plutôt aligné là. Mais là, ça s'aligne pas ça. Ah non, ça va! Non! Quoi? J'ai pas regardé! Et gros, et gros, et gros, ça y est, j'ai encore pris un dégât! Ah. Non, c'est tout de suite toujours plus dur! Vas-y, ça dégoûte, je fais tout bien et tout, et voilà, et là je vais crever alors que je suis arrivé full life! Je suis arrivé full life à la P2! Tu me sers à rien, toi. Ça me sert à rien. Une onde de choc qui étourdit les ennemis proches. Tire des projectiles éthérés qui cherchent les ennemis et peuvent les atteindre même à travers les murs.
En vrai, peut-être qu'il me faut que des modificateurs de projectiles. Hein. Vu que j'ai tout mis sur les projectiles, si je prends que des modificateurs de projectiles. On va tester avec ça. Hein. Give up. Ah non, non, je vais pas give up. Hein. On est à la fin du jeu, je give up pas. Hein. C'est hors de question. Hors de question. J'ai un ego très très fragile, donc j'ai pas le choix là. Bonne blague. Comment le système de cartes? Trop bien le système de cartes en vrai. Je pense pas que ce soit 100% original. Enfin, je pense que ça a déjà été fait quoi. C'est broken? Attendez, c'est broken? C'est complètement broken ce truc là? La vie elle a fondu là! Elle a fondu sa vie! Ou c'est moi? Oh ça va, commencez pas hein. Oh. Je sais pas comment j'ai fait. Oh non, ça va! Oh, y a des patterns, ils sont tellement durs à esquiver, c'est affreux quoi. Non mais... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est dur. Y'a pas la meufeu là qui... Lui il a pas un truc à me donner ou quoi? Boss de l'enfer. Ouais il est chaud hein. Et genre eux ils sont pas en prison. Regardez le sort OP pour la P2. Mais non, mais normalement, il tourne, tu vois. Donc, je devrais finir par le ravoir. Mais j'aurais bien aimé le doubler. Mais le problème, c'est que j'ai plus. Il y a une personne qui peut doubler tes cartes, mais elle est plus là, quoi. Elle est juste plus là. Mais c'est vrai que ça c'est pas mal. Hein. C'est très, très bien, même.
sont chiants. Il donne full jus lui par contre hein. Quand tu l'attaques C'est broken, c'est complètement broken. C'est incroyable. Arrête! C'est bon? Il a repris sa vie là. P3. Tu te fous de moi hein. Tu te fous de moi hein. C'est une P3 là. Chacal. Oh là là. Comment je suis censé faire là? Oh non! Ah! Ah! Bah, c'est moi que j'ai le sort broken souvent quoi. Les dégâts qu'il met, c'est... En plus il élimine aussi les autres trucs. Du coup c'est vraiment tout bénef quoi. De la P1 quoi. C'est grave. Hein. Oh, c'est du jeu ça.
Oh non, sérieux, c'est tellement de la triche. Comment tu veux que je fasse en fait? Arrête! Non mais c'est... Je vais pleurer là. Je vais... Je suis sur le point de pleurer. Je vais chialer. Je viens d'aller voir toutes les vidéos de la Villa Pamplemousse. Quel banger! Pourquoi j'ai jamais vu ça en live? Parce que c'était il y a longtemps. J'espère que t'as bien rigolé. La villa Golden Age, j'ose le dire. Prends tout notre Link. Non mais je vais y... En vrai, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais le rentrer là. Hein, à un moment donné. Alors ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais y arriver. Hein. Là, je vais essayer de jouer un peu plus safe en fait. Que ça lui met, c'est vraiment grave. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, je me suis trompé de carte. Oh, c'est rude. Hein. Ça, c'est peut-être le truc le plus difficile du jeu, c'est vraiment de... En même temps que tu joues et que tu games et tout là, c'est de réussir à garder un œil sur quelle carte t'intéresse, à quel moment, etc. Parce que genre... il faudrait un affichage tête haute en fait. Quoi? Gros, et ça y est! Mais suce un glaçon là, c'est bon! En plus, il apparaît plus. Bah, il vient plus. Il vient plus. Il a plus envie de venir. Il venait plus. T'as fini Cuphead? Non. Non mais le ramaton, en vrai j'y pense, mais il va falloir un peu plus de préparation que de dire vas-y je le fais demain, tu vois. Ça se prépare un ramaton, je le ferai pas demain c'est sûr. Mais je le ferai au courant du mois de décembre, c'est évident. Parce qu'en vrai les 3 ans de la chaîne, bon c'est tout le mois de décembre. J'ai pas raison.
Bah, mon premier rêve dans la vie, après avoir voulu être chirurgien, c'était d'être président. Donc, en vrai, ça se tient, tu vois. On est dans le thème, là. Je tiens pas mes promesses, c'est ok. Je cosplay. Arrête! En vrai, genre, je suis plutôt heureux que mes parents ils m'aient jamais déshérité parce que moi, mon fils, il se pointe, il me dit voilà, papa, maman, je veux être président. Je pense que je le ratio. Je regarde mon fils et je fais ah ouais? Ratio. Je sais pas comment j'ai fait. Encore de la triche. Fait que tricher le boss, hein. Il ne fait que ça. J'ai utilisé! Mais j'ai utilisé! Mais quoi? Mais c'est une dinguerie! Non, mais c'est un truc de ouf! Non! Je vais pleurer, je vous jure. Je vous jure, je suis sur le point de pleurer là. Si je veux être un fromage président. Je sais pas quoi vous dire là. Je sais pas quoi faire. Ça me brise le momentum aussi. Hein. On va tester ça. Je peux pas mettre des cartes pas chères pour faire tourner plus vite? C'est réel. Il y a deux trucs à 1. Comme ça, ça me fait des dégâts à moi. J'ai un bon setup là avec les sorts là.
Oh. Oh non. Non. Mais il met combien de temps à apparaître là? Mais ramène-toi, mec! Oh! Oh là là, mais comment tu veux faire là? Comment tu veux faire? Il y a une conjonctivite ou quoi, le rhume des foins? Non, j'ai dépensé 5 balles pour rien! Eh oui, eh oui! Si proche, bah en vrai ça se trouve il a une P4 hein. On sait même pas si c'est si proche. Oh dommage, j'ai pas réussi ma rotation de sort. Ça va, arrêtez. Grandissez un peu s'il vous plaît là. Je parle l'armure s'il vous plaît, merci. Saloperie.
Arrête! Oh! Eh, ça va là? Je deviens fou. Oh! Non mais voilà, non mais... Je sais pas comment faire là. Bah oui. Mais c'est impossible! C'est impossible! Salut Niku, merci beaucoup pour ton troisième mois. Des gros bisous, merci énormément. En fait, y a que ça là. Pistolet fantôme qui est broken. Donc en vrai, même ça, en fait, j'ai plus envie de l'utiliser. Donc on va augmenter la rotation en mettant... ça, c'est semi-défensif, c'est pas con, mais ça coûte moins cher. Et ça, je suis obligé de le garder en vrai. Les fenêtres de dodge sont où? J'en ai aucune foutue idée. Je sais pas. Quoi? Les gros, et ça y est. Et la P1 maintenant, elle est dure comme ça là? Elle est dure comme ça maintenant la P1. Nouvelle règle. Il apparaît ou... Il se fout de ma gueule ? Il s'est foutu de ma gueule là, comme il faut. Hein. Comme il faut quoi. Il est où ce chacal? Je le ratio là. Ah! Je la joue safe. Je l'ai joué safe. J'ai pris l'armure plutôt que de prendre les dégâts là. Et j'ai perdu l'armure.
Et oui. Oh! Trouver de touche. Allez, le ratio, le ratio, le ratio, le ratio. Quoi? Non, P4. Arrête. Arrête. Quoi? Comment ça, une P4? Comment ça, une P4? Mais c'est pour se foutre de ma gueule. Il se fout de moi. Non, mais c'est... Il se fout de moi! C'est pas possible! Il se fout de moi! Au moins, il se tépait plus. C'est pas fini ? Il fallait faire un truc ? Il fallait faire un truc ? Merci pour tous les GG, merci beaucoup. Le ratio de la P4. Eh, il était coriace, hein. Il était vraiment coriace. Pourquoi tu refuses d'abandonner? Je n'allais pas te laisser ici. Le link a été rompu. Tu es libre maintenant. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Je peux me reposer? Enfin, c'est vraiment fini. Merci, Rain. Pourquoi tu refuses de t'abonner, putain? Je crois que j'ai réussi. Je pense avoir donné une chance à tout le monde. Alors tâchons d'en profiter au maximum. Ah! Oh non. Moi, je pensais que c'était elle, le boss. Attends, je vais devoir la ratio, là. Nous allons enfin nous rencontrer en face à face. Tu es Gaïa? Certains d'entre vous me désignent par ce nom. Oui. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Je dois savoir, les enfants de Gaïa, tu étais derrière tout ça? Oh, Rain, je ne fixe pas simplement le monde du regard. Je suis la nature, la naissance et la mort. Rien de plus. Je ne parle pas aux êtres vivants et je n'interfère pas dans leur libre arbitre. Je n'ai parlé qu'à toi et Robin pendant ces millions d'années. Où sommes-nous? Nous ne sommes nulle part. C'était une feuille blanche. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il ne peut y avoir deux de nous à la fois.
deux de quoi. Chaque être vivant est connecté à toi. Tu partages leur vie, leur force. Ils ont confiance en ton jugement. Ils ont confiance en toi. C'est tout ce qu'il faut pour être moi. Est-ce que ça fait de moi une déesse? Mais je me fiche de Link, ça m'a toujours été égal. Je voulais juste aider les gens, je ne veux pas être une déesse. Si tu poursuivais des ambitions personnelles, tu ne serais pas ici. Ne t'inquiète pas. Tu es confuse et effrayée comme je l'étais à l'époque. Mais avec le temps, tu t'en sortiras. Nous l'avons déjà fait de nombreuses fois. Ah ! Contrôle X ! Mon cycle est terminé et ainsi le tien commence. Attends, je ne sais pas quoi faire. Ferme simplement les yeux. Les yeux, il faut le fermer. Repère les motifs dans la nature. Réorganise-les. Trouve l'équilibre. La vie peut se maintenir indéfiniment lorsqu'elle est équilibrée. Après ça, tu ne feras qu'inspirer la mort et expirer la vie. Et si je ne trouve pas comment faire? Tu trouveras. Tu créeras ton propre cycle. Tu as tout le temps du monde. Bon bah, Altef 4, hein, ferme le jeu, elle a dit. Je devienne Gaïa. Et c'est ainsi que je suis devenue la déesse de la vie. Attends. Depuis le début, c'était un rêve. Fin. Oh, je vais pas prétendre que je n'ai pas aimé ton histoire. A plus pour l'originalité. Attends, quoi? Non, pas ça. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais pourquoi? Mais j'en peux plus. C'est le pire trope, tu peux pas faire pire. Si tu es devenue une déesse, qu'est-ce qu'on fait ici à siroter de la limonade? Je pensais juste que j'allais me sentir seul à regarder les civilisations aller et venir. Donc j'ai choisi de vivre le reste de cette vie avec toi. Et après ça, je commencerai par la création de l'univers et tout le reste. J'ai tout le temps du monde. Ah, oui, non, c'est bon. C'est super ringard et un peu égocentrique, même pour toi. Je te le fais pas dire. Oublie tout ça, je ne faisais que rêvasser. Détendons-nous et profitons de cette belle journée. Enlève ton falzar, Akai. Baisse-moi ce falzar, vieux fou! Que je te rende goguenard! C'est une belle journée là-dessus, je suis d'accord. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Pourquoi le ciel est réparé? Mais parce que je suis Gaïa maintenant, je fais ce que je veux! Si j'ai envie de réparer, je répare! Oh! Eh ben, c'était trop bien! Le jeu est trop bien! Vraiment! Vraiment, le jeu est vraiment trop cool! Faites-le! Je suis content parce que c'est un jeu que j'attendais pas mal et il m'a pas déçu. Il est un peu court, enfin, en vrai, on a mis quoi? On a mis un peu moins de 11 heures à le faire. On a mis exactement 6h40 plus 3h40. On a mis 10h20. Oui, 10h20. A plus le jeu. Il est où le souvenir du boss final qu'on voit un sort turbo broken? Je sais pas si on peut... J'ai eu un call team, j'ai pas vu la P4. 19h pour un schmoop? C'est quoi un schmoop? Ah, je serais curieux de voir ce qui se passe quand on laisse quelqu'un d'autre s'en charger, ouais. Non, j'ai pas 100%, non. Merci Lampion Sournois pour le follow, merci beaucoup. Loyal Mauvais également pour le follow. Et Nikutop pour les 3 mois, merci beaucoup. Ah, shoot them up. Oh, je sais pas si on peut qualifier ça comme shoot them up. Après, c'est un shoot them up et Metroidvania, quoi. Je me suis fait spoil la fin sans avoir vu le reste, cool. Ils sont où les secrets? Par contre, j'en sais pas, hein. Mais vraiment un très bon jeu, vraiment j'ai vraiment kiffé. Et puis le scénario est cool, hein. En vrai, le scénario est cool, hein. T'as de moins en moins jeu où t'as qu'un seul genre, et c'est tant mieux. C'est tant mieux en vrai. Roguelite, c'est pas un roguelite. C'est pas du tout un roguelite, même pas un peu, tu vois. Qui dit que c'est un roguelite? Personne n'a dit ça.
Ah oui, 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 ok, oui. Non, tu voulais dire maître de venir, oui, oui. La fin est goguenarde quand même. La fin est ok, hein. En quoi la fin vous dérange? Moi j'ai bien aimé ça. En plus ça a des petites techs, des petites réflexions sur la société. On vit dans une saucisse. Et moi j'aime bien quand les jeux ils arrivent à dresser des parallèles entre l'IRL et le monde dans lequel on vit. Parce qu'en vrai les problématiques envers lesquelles ils étaient confrontés, c'est un peu les mêmes que nous. Hein, donc c'est cool. Moi j'aime bien quand il y a un sens comme ça. Alors pas quand il est trop téléphoné. Mais là en vrai c'était pas le cas. C'était cool en vrai. Si vous avez raté le début, en vrai, je vous invite à aller soit le faire, soit regarder les VOD. Ce sera pas une perte de temps. Du coup, si t'avais joué full mensonge, bah voilà, la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on joue full mensonge? Qu'est-ce qui se passe si à la fin on se barre en fait, au lieu d'aller affronter le boss? Après, je trouve ça un peu téléphoné comme fin, genre le pétrole c'est pas bien, mais heureusement on a une déesse pour sauver le monde. Ou alors j'ai raté un truc, mais bon. Oui, oui. T'as le seum parce que tu crois pas au DS, c'est tout. C'est tout, hein. Du coup, t'es deg. Ça se trouve, attends, il y a une post-credit où on voit Iron Man. Pas du tout. Bisous YouTube, j'espère que ce let's play t'a plu. Moi, oui.